Que Dieu bénisse, frères et sœurs, mon chargé à tous cet après-midi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous mettre debout ensemble, s'il vous plaît, nous car Franck. Nous sommes sur le chant numéro 368. Have your way. 368. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our heart and have your way. As we wait, as we pray, speak your word into encore une fois, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom.
nom. Puissant guerrier, encore une fois. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Amen. Laisse-le couper à tes frères et sœurs. Le caracas cet après-midi. Mais bon, les frères, il va chez ce caracas. Bien-aimé Seigneur, il applaudit devant toi, Seigneur, avec un cœur vraiment respectueux, humilié dans ta sainte présence. Seigneur, rends-toi grâce vraiment, Seigneur, que tu fais la faute chacun d'entre nous qui est là, cet privilège. Pour venir vraiment, Seigneur, dans ta sainte présence. Et vraiment, Seigneur, comme ton prophète toujours a dit, Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être là à tes pieds, Seigneur. Seigneur, je te merci pour ton amour envers nous. Merci vraiment, Seigneur, tu es capable de permettre nous, vraiment, Seigneur, de gagner un habit, permettre nous de gagner l'argent pour payer le transport, permettre nous vraiment, Seigneur, de venir en pleine santé et vraiment, Seigneur, pour nous adorer toi, Seigneur. Pour nous capables d'écouter ce que tu es là pour dire à nous, Seigneur. Pour nous capables de fortifier davantage. Pour nous capables de remplir nous de ton Esprit Saint. Et écoute vraiment, Seigneur, nous la lampe, les patins en chemin. Écoute vraiment, Seigneur, nos cœurs remplis de la nourriture. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour ton regard dans nos faveurs. Et vraiment, Seigneur, tu nous dis, tu as une promesse, nous comment la plénière de tes yeux. Et vraiment, Seigneur, tu ne pas abandonne nous, tu ne pas délaisse nous, mais nous déplace la restante de la réunion entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, que tu aies l'atmosphère capable de créer. Vraiment, Seigneur, que tu es capable de descendre librement. Et vraiment, Seigneur, que tu es capable de chanter du cœur, que tu es capable de louer toi, vraiment, Seigneur. Être réaliste, vraiment, nous fardeaux. Vraiment, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Et donne-nous un véritable repos. Que le monde, Seigneur, tous les jours nous tendez. Comment peut vivre, vraiment, Seigneur, le monde peut promettre beaucoup de choses. Seigneur, peut faire beaucoup, vraiment, Seigneur, des propositions. Mais nous, Seigneur, nous ne pouvons pas rien pour nous faire. Mais nous connaissons de faire nous une grâce. Nous connaissons de faire nous une promesse. Tu nous dis, nous, vraiment, tu vas nous la paix que moi, le monde donne. Et vraiment, tous les jours, nous vivons dans la paix, dans la joie. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Nous passe le vase qui t'a choisi, Seigneur, entre tes mains. Nous passe le musicien entre tes mains. Nous passe le chant entre tes mains. Nous passe les enfants entre tes mains. Nous passe les grandes personnes entre tes mains. Nous passe tout ce qui vous passez entre tes mains. Tout passe sous ton contrôle. Mais Seigneur, nous disons merci d'avance. Merci tout ce que tu nous prépares pour nous. Merci tout ce que tu nous donnes nous. Merci vraiment tout ce que tu nous fais pour nous, Père. Dans le bon nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Frédéric Vacher, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse votre cas, si vous dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Et prends ça le cas, je l'amoureux. Moi, les saluts de tous, mon invité qui est là ce soir, tout mon nouveau, ma nouvelle. Que Dieu bénisse votre richement. Et mon vie invite le frère Désiré. Le frère Désiré, là-bas, il faut qu'il congénère dans le champ, un des trois champs. Le frère Désiré. Merci Seigneur. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, c'est peut-être une grâce pour chacun de nous pour vivre dans sa présence. Comment je connais cet après-midi n'est pas aussi facile pour tout le monde qu'on nous connaît, qui maladie du siècle qui nous lance en ce temps, c'est le temps. D'accord? Tout le monde peine dans le temps, tout le monde dit peine dans le temps. Alors nous gagnons la grâce pour gagner le temps pour vivre dans sa présence. Amen. Alors je connais cet après-midi, pour moi, le message qui venait dans mon cœur me disait, malgré tes jeunes, tes vieux, malgré tes étudiants, tu es un travailleur, qui tu étais, c'est une grâce de vivre dans la présence de Dieu. Si tu viens là cet après-midi, c'est une grâce. Tu franchis à la porte là, c'est une grâce. Alors ce soir, comme je connais, nous venons beaucoup le temps pour rester là. Nous venons tout le temps pour venir écouter la parole, pour chanter un peu. Nous venons beaucoup le temps de donner la parole tellement vite. Alors si nous sommes capables de consacrer cette petite le temps là, nous disons bon Dieu, merci. Amen. Alors nous vous chanter un des chants. Nous pas pareil comme on a l'habitude de faire à chaque fois. Moi pour casser un peu l'habitude, moi j'ai envie de trouver de chanter ensemble. Peut-être nous pouvons mettre du debout à l'air, nous pouvons chanter, tape-nous la main un peu, qui nous capable d'adorer bon Dieu ici d'un petit moment ensemble, et nous écoute la parole, nous préparons-nous les cœurs. Amen. Alors, peut-être tu viens là avec un peu lourd, peut-être tu es malade, peut-être tu n'as pas de problème, peut-être aussi tu n'as aucun problème aussi, mais tu viens sous la présence de Dieu. Amen. Alors, tu es bienvenu, si tu es nouveau là parmi nous, merci Seigneur, tu viens dans la présence. Nous fais-toi connaître que son nom qui nous peut adorer ici, c'est Jésus. Nous n'avons aucun autre nom, nous n'avons un seul nom. Amen. Alors, c'est la première musique que nous sommes capables de dire, nous sommes capables de chanter un petit chant qui est aussi simple, nous dire, rends grâce. Amen.
de dire Seigneur, merci pour la grâce qu'il accorde nous. Viens dans sa présence, c'est une grâce. Amen. Peut-être c'est pas nos efforts, c'est pas nos éducations, c'est pas nous l'argent, c'est pas ce qu'il nous est capable de faire, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous capables de dire rends grâce. Amen. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Rends grâce. Vous voulez dire d'autres chanter à celui qui. Amen. Rends grâce. Car il a donné sa justice. Son fils. Rends grâce encore une fois. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Rends grâce à celui qui est saint. Rends grâce car il a donné Jésus-Christ son fils. Alors le faible qui vous dit alors c'est au faible ce soir que je. Amen. Merci Seigneur. Ce que le pauvre pour ce que le Seigneur a fait pour moi alors encore une fois alors que le faible je dis ça avec conviction je suis fort. Une fois, nous dit alors. Alors, si tu es faible ce soir, que le faible, je suis fort. Que le parti, je suis riche. Pour ce que le fait pour moi. Alors, qui nous fait le gardien, rends grâce. Rends grâce. Regardez Seigneur, merci cet après-midi. Merci Seigneur pour ta grâce, oh Dieu. Merci Seigneur de nous ta présence encore une fois, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous sommes vraiment, Seigneur, Dieu incapable, oh Dieu. Mais c'est de la grâce, Seigneur. Et dans ta présence, c'est ta grâce. Seigneur, qui nous capable de dire, Seigneur, nous sommes forts. Seigneur, par la foi, nous devenons forts, Seigneur. Peut-être nous pauvres, Seigneur, nous devenons riches cet après-midi. Nous riches, Seigneur, en bonté. Nous riches de la grâce, oh Dieu. Merci, Papa, pour tout, Seigneur. Car tu mérites tout honneur, toute gloire, toi, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Cet après-midi, nous vous avons fait un petit chant spécial de ma part maintenant, quand tu es mon refuge. Et là, certains parmi nous autres, quand tu es mon refuge, nous vous avons chanté. Et puis ça, nous mettons debout, nous allons chanté en forme de louange. Car tu es mon refuge, ma forte. Encore une fois, quand tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Encore une fois, est-ce que tu gagnes bien? Car tu es mon refuge, ma forteresse. Le même syllabe, devant l'ennemi. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Devant l'ennemi. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Quand tu es mon refuge. Car tu es. Devant l'ennemi. Devant l'ennemi. Tu me dresses une table. Je séjournerai. Je vais reprendre. Je séjournerai dans ta tente. À l'abri de tes ailes. Je séjournerai. Je
Je séjourne dans ton corps. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Daniel, je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer. Encore une fois. Je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer. Le réveilleur venait voir quand tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi. Devant l'ennemi. Tu me dresses une table. Car tu es mon refuge. Car tu es. Devant l'ennemi. Devant l'ennemi. Tu me dresses une table. Je séjournerai. Je séjournerai en ta tente. À l'abri. À l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer. C'est facile, amen. Maintenant, nous mettons debout, nous chantons maintenant en forme de louange maintenant. Parce que c'est un chant de guerre, hein. Amen. Mais par contre, nous autres, moi, franchement, c'est mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, il dresse une table. Amen. Ça dépend, nous autres, maintenant, si vous autres parlez d'Yannis, parlez quoi là-dedans. Ça, c'est chacun sa responsabilité. Amen. Maintenant, nous chantons un peu plus dans forme de louange. Tape-nous la main, nous chantons comment vous voulez. Amen. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer. Je voudrais. Quand tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ma forteresse. Amen, Seigneur. Devant l'ennemi, devant l'ennemi, tu me dresses une table. Merci, Seigneur. Car tu es mon refuge, car tu es. Séjournerai dans ta tente, à l'abri, à
Cet après-midi, sur mes frères et sœurs, nous vous priez. Nous n'avons quelques requêtes cette même atmosphère ce soir. Cette atmosphère de guerre, de victoire. Nous prions pour le frère Potana qui souffre d'une hypertension. Et si nous croyons que Dieu est capable de guérir, amen. Nous remercions le Seigneur pour les 18 ans du frère Kenny. Merci Seigneur, amen. Nous renferons une grande humaine aujourd'hui. Et on demande de prier pour la sœur Vanessa Goinden qui est malade. Mais nous croyons que Dieu est un Dieu qui guérit. Amen. Et sa bande frère, sa frère, sa soeur qui n'a pas sa requête là, ne peut pas penser qu'il y a une habitude qui ne crée une requête. Alors il y a avec le frère Jack, nous dit, criez pour nous. C'est qu'ils ont quoi, comment je connais, nous vivons par la foi. Amen. Nous croyons que la prière du juste est une grande efficacité. Amen. Et nous sommes sûrs, certains qui ont nos bandes frères, nos bandes soeurs prier, qui nous gagnent une délivrance. Amen. Alors cet après-midi, nous prions pour sa requête là. Amen. Nous demandons le frère Payak à prier, messieurs. Notre bon Père Céleste, encore une fois, Papa, nous disons merci pour toute la grâce. Merci d'être là, Jésus, dans cette présence, Papa. Là, Seigneur, comme David l'a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, je t'en remercie pour ta bonté envers nous durant cette journée. Merci, te fin, prépare-nous, Papa, pour ce moment. Seigneur, nous connais, nous pas vous déçus, jamais tu vas finir de décevoir nous, Papa. Seigneur, nous n'aimons l'assurance, nous n'aimons certitude qui te l'a pour ce qu'il te promet, nous, Jésus. Livré qui nous bat trop top et marcher avec nous, Dieu charnel. Mais cependant, la parole dit quand deux ou trois se rassemblent en mon nom, je serai là au milieu de vous. Seigneur, nous n'aimons l'assurance au-dedans de nous. Seigneur, nous pas capables, Seigneur, être incrédule, parce qu'en nous, il y a la semence de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, ton Janou. Celui qui est né de Dieu, pas gagne droit, pas croire toi, parce qu'il nous naît de toi. Nous sommes de toi, Papa. Nous sommes tes enfants. Alors c'est avec cette assurance en nous, Père. Nous les places, nous manons bien-aimés entre tes mains. Peut-être je ne dois pas la salle là, ou peut-être je dois à la salle là. Peut-être je ne pas prier avec nous, avec toi, à peine à distance. Le Saint-Esprit est sans limite. C'est pour cela, comme le prophète l'a dit, nous les places entre tes mains, qui ton Esprit Saint, qui comme un agent de police, a su place, arrête cette maladie-là, Seigneur. Nous le disons merci parce que tu es un Dieu qui toujours te répond nous. Pas selon ce qui nous envie, mais selon ton temps, selon tous ces jours, Seigneur. Mais nous disons merci parce qu'il est un Dieu qui guérit. C'est toi qui guéris à la fin, Jésus. Que ton nom soit béni. Encore une fois, nous placons le frère Kenny entre tes mains. Nous connaissons l'ingé 18 ans, l'ingé grand là, Jésus. Mais cependant, grand comme nous, Seigneur, nous besoin de toi, Seigneur. Les besoins de toi plus aujourd'hui qu'il y a, Papa. Tous les jours de cette vie-là, que l'ingé grandit, l'ingé jeune. Nous connaissons dehors là-bas, Seigneur. C'est la mort, Seigneur. Alors, Seigneur, puisque tu as une grande île jusqu'à maintenant, Seigneur, soutenez-le dans ce monde-là. Aide-le qu'il est capable d'approcher plus de toi. Aide-le qu'il est capable vraiment de rechercher le baptême authentique de l'Esprit Saint. Contre la toute conduite, Jésus. Encore une fois, nous place cette réunion entre tes mains. Seigneur, nous vivons là dans l'expectative, Papa. Nous connaissons un Dieu, jamais tu n'as pas fini de se voir, nous, Père. Nous vivons là et nous avons un seul but, c'est rencontrer toi, Jésus. Oui, Seigneur, l'envie de rencontrer toi dans une autre dimension. L'envie capable vraiment, Seigneur, Paul, avec toi, face à face, Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit ton genou, Jésus. Alors cet après-midi, Seigneur Jésus, nous préparons nous le cœur, Papa. Parce que c'est là que nous préparons, nous, depuis le matin, nous dans l'expectative, nous dans l'anticipation. Nous puis attendre quand ce moment-là pour venir, parce qu'il nous connaît dans ce moment-là. Donc, Papa, Seigneur, vraiment, réponds nous le cœur. Quand nous faillons pendant la journée, te vous pardonne-nous. Quand nous vraiment, Seigneur, nous venons paloter, Seigneur, te mettre tout stop.
Parce qu'il te dit à nous, Seigneur, de prendre soin de nous. D'ailleurs, tous les jours, de prendre soin de nous, Père. Que ton nom soit béni, Père. Tout cela, mon Dieu, dans le prix chez nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, exauce la prière. Pour ceux et celles du pan récit, fait une requête. Qui calèvent sur la main, nous sentons. Quand nous prions. C'est une requête de ton cœur. Tenez la prière, tenez la demande. Tu connais. Cet après-midi, vous gardez ça avec conviction. Oh, quoi dans ce miséricorde. Oui, Seigneur, vous croyez cet après-midi. Oh, quoi dans ce Saint-Parole. Oui, mon Dieu, tout ça. Oh, quoi dans ce en anglais, mais nous mettez en créole aujourd'hui. Du coup, cette atmosphère, nous capable de dire bon Dieu, capable de faire une cimée. Vous avez remarqué, tous nos chants, c'est pas un chant, nous pouvons confier sa délivrance cet après-midi. Amen. Ne pas connaître la convention qu'on va voir avec nous, mais ce qui nous fait le péché, prépare nous les cœurs, prépare nous penser. Comment vous connaissez tout en habitude de dire, nous prenons la terre déjà labourée. Nous disons, prépare nous pour la semence. Amen. Qui nous capable, prépare nous pour mettre un petit temps qui nous vient là, qui nous capable, mettre nous à la disposition de Dieu. Amen. Que nous avons senti le cœur disposé, nous préparons-nous, nous préparons par les chants, le Seigneur, prépare-toi à la table, prépare-toi toi-même, Seigneur, et déverse toi-même en nous. Amen. C'est, ce chant-là, c'est God will make a way, c'est connu en anglais, et vous avez fait en créole. D'accord? Bon Dieu, pour faire même si la côte est non si mais. Pareil comme ils sont dit en anglais. Dans l'invisible, ni pour faire si mais
sommes sûrs et certains que nous dirons du fin Simon. Malgré Pénacimé, nous nous connaissons, Seigneur. Tu es un Dieu qui travaille, Seigneur. Dans l'impossible, tu es un Dieu, Seigneur, qui fait toutes choses, Seigneur. Au-delà même, Seigneur, de nos raisonnements, de nos capacités, oh Dieu. Si nous venons cet après-midi ce soir, avec une demande, avec une prière, avec vraiment, Seigneur, depuis certaines solutions, depuis certaines délivrances, Seigneur, qui ne peut pas dire, Seigneur, que vous faites Pénacimé. Sûr et certain, Seigneur, que vous donnez-nous une parole de réconfort, que vous donnez une parole de délivrance, oh Dieu. Oh, Seigneur, c'est un Seigneur. Nous faisons un dernier chant, un avant-dernier chant, nous allons dire Jésus, nous te couronnons. Nous chanter, nous dire Jésus est son nom. Nous dire qu'il est Dieu, le Tout-Puissant, le guéri, le sauve. Maintenant, nous donnons la gloire. Que nous dire Seigneur, nous te couronnons, Seigneur. C'est toi-même le roi, toi-même le Dieu, toi-même le délivrance, Seigneur. De nous chanter avec une révérence. Nous allons laisser le dispositif à nous. Nous restons dans l'atmosphère spirituelle. Jésus, nous te couronnons avec conviction. Nous te couronnons. Oui, Seigneur, tu es devant. Tu es là, Seigneur. Thank you.
présence vaut mieux que mille souvenirs. Merci pour ta sainte présence. Ta parole est fort belle. Là où nous, parce qu'on a semblé en ton nom, tu es la présence parmi nous. Et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté, la paix, la joie. Là où le Seigneur est, quelque chose peut arriver dans nos cœurs ce soir. Quel est le Seigneur, quelle grâce, quel privilège d'un fils ou d'une fille de Dieu qui est admis en ta présence. Glorieux Seigneur. Présence, merci Seigneur. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu bénisse. Nous allons nous assiser à la présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons vous saluer tous, bien-aimés, épouses du Seigneur Jésus-Christ, dans son glorieux nom. Amen. Soyez tous ce soir. Bienvenue dans cette convention de Pâques. Amen. Soit je ne dirai pas Péniel, parce que l'épouse de Christ est là. Il y a toute l'épouse à l'église. Et elle voulait bien se faire Ashok, le pasteur Ashok Virama. Et bien vouloir joindre avec nous ici pour cette convention. Merci frère, je te bénisse. Le frère Ashok, le frère Richie que nous voyons, et bien, le frère Vivek, tout ça. Enfin, tous ceux qui, de l'autre côté, mais c'est bien ce soir d'avoir la communion. Bien discuter ensemble, c'est très bien et nous apprécions cela. Frère, que Dieu bénisse. Certainement, pendant ces trois jours, nous allons nous réjouir, eh bien, comme la vraie épouse de Christ, nous allons nous réjouir, eh bien, autour de la parole, autour de la manne spirituelle, autour de l'agneau, là où est le cadavre, ça semble des aigles. Et comme des aigles du Seigneur, certainement, nous allons dévorer cette chair qui est la parole. Amen. Alors, Dieu bénisse tous. Merci pour tout votre effort. Je sais que c'est une journée de semaine, ça commence aujourd'hui, vendredi. Mais quand même, un effort spécial et Dieu certainement va nous récompenser pour tout cela. Amen. Et attendez à quelque chose de meilleur. Certainement, Dieu va se servir. Ne pas faire dire comme une habitude, comme une tradition. Comme cette petite histoire qui dit tellement nous allons la mer, tellement nous traversons la rivière, l'endroit, tellement ça. Comme dire, tellement familier pour nous, ça ne fait nous n'en rien. Right? Ce soit le serviteur de Dieu là, peut-être nous sommes capables de dire pendant des années, mais nous sommes capables de dire, ce frère va prêcher, nous prend d'autres idées. Non, la présence de Dieu n'est pas ordinaire. Amen. Amen. La présence, peut-être de la case, c'est quand même ordinaire, tellement on allait venir tous les jours, mais la présence de Dieu n'est pas ordinaire. Amen. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours une bénédiction qui est là près de nous. Amen. Et certainement, Dieu va nous parler de cette convention au travers de son serviteur qui ne l'a pas dérangé en vain. Certainement, il y aura quelque chose pour nous. Le réveil des Galles, ce n'est pas en Galles. Le réveil des Galles, c'est nous. Amen. Soit le réveil sera dans chacun de nos vies, si seulement on atteint quelque chose. Et certainement, je dirais bien, certainement, individuellement, tout qu'il a ce soir, il y en a quelque chose individuel qui t'attend. Individuellement, j'attends quelque chose de cette convention. J'attends quelque chose du serviteur de Dieu. J'attends quelque chose de la part de Dieu. Et dans l'expectative, avec un cœur bien disposé, dans la soumission, dans l'humilité de la parole, Dieu va certainement nous bénir. Amen. Et Dieu bénisse ce soir. Nous voulons envoyer les salutations. Et du frère Nanda, qui me dit, moi spécialement, hier soir, j'ai parlé au téléphone. Et moi, n'oubliez pas de saluer toute l'église. Saluer le pasteur Ashok et toute son église. Et lui, il y a la convention déjà à Zambie, il quitte Maurice lundi, il passe un très bon moment au Johannesburg, c'est le frère Joe Daniels, et là il y a trois jours de convention dans Zambie, et qui est un pays bien. Mais c'était une grande convention, il dit, moi hier je pensais, seulement je n'invite lui, mais il y a à peu près 7 à 8 églises qui ont invité, vous avez le Congo, une très grande convention, je prends 6 réunions, déjà on commence une réunion le matin, là, une réunion l'après-midi, et le Falanda prêche dans toutes les réunions de l'après-midi. Il y a aujourd'hui, demain et dimanche après-midi, il prêche. Il y a 3 réunions le matin, vendredi matin, samedi matin, disons en tout, 6 réunions, mais c'était une très grande convention. Je m'attendais à un bon moment. Et déjà, une réunion est terminée tout à l'heure, à 3h30, il y avait un message. Moi, c'était une très bonne réunion, je fais là. Et priez pour lui, mais aussi, moi, demandez, mais oublie-toi, priez pour nous. Amen. Right? Alors, certainement, Dieu va le bénir. Et comme les annonces ici aussi, nous avons une convention de Pâques et aujourd'hui c'est déjà la première réunion. Demain,
La réunion se fera à 4 heures et dimanche matin, la réunion se fera à 10 heures. Amen. Comme on dit toujours, aujourd'hui, à cause de la semaine, il y a quelques places vides, mais surtout le dimanche matin qu'on sera rempli, venez de bonne heure et avancez par devant, laissez la place, et bien au fur et à mesure que l'église se remplisse. Right? Et aussi, la librairie, nous parlons de la librairie Voice of God, sera ouverte après la réunion. Ceux qui veulent prendre procurer des brochures, bien des cassettes, il y a la biographie, tout ça, vous pouvez le faire après la réunion. Demain aussi sera ouvert, jour normal, samedi. Mais aussi, après la réunion, la librairie sera ouverte. Mais dimanche sera fermé. On ne vend rien dimanche. Et aussi, au bas, après la réunion, il y a des tracts, des traités, des brochures qui sont exposées. Il y a eh bien, un mot à l'église. Il y a aussi, le Fracas, je vais donner une liste des brochures que va recevoir gratuitement. Right? Il y en a beaucoup. À peu près 28 titres. Right? Et l'église choisissant la loi ou la grâce. Et Divine Healing in the Brampton Campaigns, les résultats de la décision. Il y a beaucoup. Il y a 28 titres de brochures qui sont exposés au bas, seront exposés tous les jours, aujourd'hui, demain et dimanche. Vous pouvez le prendre gratuitement. Il y a aussi des feuillets comme ça. Il y a en tout 18 ces feuillets qui sont imprimés. Et il y a 4 nouveaux aujourd'hui. Que c'est nouveau pour aujourd'hui, même pas pour Péniel, c'est nouveau pour tout. Alors, vous pouvez vous procurer ça après la réunion au bas. Right? Et je crois, après la réunion au bas, nous pouvons eh bien, avoir un moment de communion encore, eh bien, quelques rafraîchissements. Et pas vous apprécier pour aller un petit moment, et eh bien bavarder. Vous voyez que très rarement nous venons, mais vous voyez encore, nous apprécions toute votre présence ce soir. Et certainement, nous allons avoir un moment béni. Right? Il y a une brochure que vous pouvez lire l'autre jour, c'est dans les 10 vierges. Il faut vraiment dire comme ça que dans la réunion, il y a une atmosphère hostile, et le Saint-Esprit ne veut pas parler. Right? Il y a une moindre atmosphère hostile et le Saint-Esprit ne peut pas parler. C'est bien d'avoir un bon état d'esprit, déjà l'expectative, et puis attendre qu'importe l'avance qui va nous parler, Dieu va parler au Saint-Esprit. Amen. C'est bien hein, d'avoir un bon esprit. C'est l'attitude qui compte. Avec une très bonne attitude, certainement, Dieu va nous parler au travers de ce vase. Amen. Alors, encore une fois, pour dire, nous allons passer un très moment béni ce soir. Eh bien, autour de la parole, nous allons festoyer les aigles, pas qu'on n'a rien à part rentrer dans la chair, et bien, manger. Amen. Nous venons là, c'est l'aigle, il est qu'on mange la viande fraîche. Ce soir, eh bien, mettre la bec, prends, et bien, manger. Right? Manger. Amen. Alléluia. Et vous allez voir, hein, c'est bien. Et lundi, c'était le 6. Si je ne me trompe pas, le 6, ce n'est pas le 9, c'est le 6. Il y avait 100 ans de cela que Dieu nous envoyait le 6e ange. Amen. Spécialement cette convention de Pâques, nous peut commémorer la résurrection, la vie. Dieu nous a envoyé un prophète 100 ans de cela. Amen. Et à cause de ce message aujourd'hui, nous sommes là ce soir. À cause de ce message glorieux qui nous tient, nous, eh bien, partout, hein, de la terre, tient-nous de la boue. Et amène-nous là ce soir. C'est un moment de nous réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre un chant pour nous passer la parole. Ce soir, c'est un frère que vous connaissez très bien, le frère Alex Waro. Il est mo-réunionnais, je ne dirais pas réunionnais, il est moitié mauricien, mo-réunionnais. Amen. Il parle le créole, c'est un frère très habitué ici. Il est mo-réunionnais encore, très habitué, mais Dieu est certainement à quelque chose de glorieux pour nous ce soir. Il a déjà préparé pour son serviteur, nous avons prié pour lui. C'est une réunion de prière mercredi, vendredi dernier, nous avons décrété aujourd'hui jour de jeûne et prière. Attendez quelque chose de merveilleux, Dieu va nous bénir. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Sommes-nous debout ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Donnez le frère son temps. Oh, merci Seigneur. C'est tout comme les annonces. Oui, bah, dimanche, nous allons ramasser notre offrande. Ce sera une offrande spécialement, surtout pour la convention et donner pour la gloire du Seigneur. Ce sera dimanche. Non. Je suis dans la joie quand on me dit. Amen. C'est ça. Non. C'est pas grand-chose, hein? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est pas ça, hein?
Voilà. Amen. Chantez joyeux, frappe les mains. Prépare-nous pour la parole de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Qu'il rassemblait avec cette parole. Amen. Alléluia. On a un petit cœur qui. Le frère chanteur qui roule le poignet en anglais. God will make a way. Nous allons passer à la parole. Certainement ce soir, laisse le Saint-Esprit, laisse qu'il passe dans notre cœur ce soir. Dieu connaît nos besoins. Certainement ce soir, le tout qu'il a besoin de les cœurs. Et seule la parole peut parler ce soir. Le frère qui vient de loin ne connaît personne. On dit qu'il a connu comme ça, mais il ne connaît pas les besoins de nos cœurs. Seul le Saint-Esprit. Et seul Dieu peut faire ce soir un chemin. Simplement ouvrez vos cœurs. Laisse Dieu pénétrer. God will make a way. There seems to be no way. Works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to His heart. Love is strength for me. God will make a way where there seems to be no way. Words in ways we cannot
fais ce soir, Seigneur. Nous te confions cette réunion. Nous te confions cette convention. Nous te confions, Seigneur, ton serviteur. Ligne de loin, que tu l'as béni, tu l'as protégé jusque-là, Seigneur. Certainement ce soir, tu as déposé ta parole dans son cœur. Ce soir, il va nous prêcher avec assurance, avec hardiesse, avec grâce. Certainement, tu vas le one. One s'élève d'argile. Oh, c'est ton serviteur, Seigneur. Soit nous voulons être, non pas hostile, mais nous voulons, Seigneur, être soumise au Saint-Esprit. Seigneur, parle à mon cœur. Parle à ces bien-aimés qui sont là ce soir. Nous allons nous réjouir autour de la manne, autour du carcasse, autour de cette parole glorieuse qui nous a envoyée au temps de la fin. Ouais, tu te sais bien aimer ces cœurs. Glorieux nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Alex arrive. Ceux qui ne connaissent pas le frère Alex, c'est le frère Alex Waro de l'île de la Réunion, exactement de Saint-Pierre. Il prêche, eh bien, à Saint-Denis, c'est le frère Gondin. Il est marié, père de 6 enfants. 4 filles, 2 garçons. Très bon frère. Approche. Amen. Il lui va de prier pour ce frère durant toute la convention. Tu t'amènes à la parole? Je te bénisse. Merci beaucoup. C'est bon? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Merci. Merci Seigneur. Donc, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Et ça me fait très chaud au cœur de voir l'épouse du Seigneur Jésus rassemblée ensemble pour quelque chose de réel. Quelque chose vraiment... Frère, c'est mon cahier en bas. Pour quelque chose qui est vraiment... Le monde n'a pas vraiment cette joie de ce que nous nous exprimons ce soir. Eh bien, il n'y a pas de prix qu'on peut attribuer à ça. Il n'y a pas de comparaison faisable que nous étions autrefois loin de Dieu, perdus, éloignés. Nous étions vraiment conçus dans l'iniquité, nés venant dans le monde en faisant des mensonges, et une vie vraiment qui était déplaisante au Seigneur. Mais la puissante grâce de Dieu nous a amenés ici ce soir pour vraiment montrer au monde la puissance du sang de Jésus, la dynamite qu'il y a dans ce message, de prendre vraiment n'importe quel pécheur souillé et l'amener vraiment dans une pleine repentance avec un cœur vraiment louant le Seigneur. Donc merci Seigneur d'abord pour le sacrifice qu'il nous a accordé, et à cause de ce message, nous sommes là ce soir. Et ce message n'est rien d'autre que la vie de Jésus. Nous croyons que la vie, le sang chimique de la vie qui était en Jésus n'était pas vraiment suffisant. Mais c'est la qualité, la vie même qui était dans son corps lorsqu'il était vivant. C'est ce sacrifice-là que nous bénéficions ce soir. Et je suis reconnaissant au Seigneur d'être l'un d'entre vous, d'être l'un d'entre ceux qui ont été rachetés par l'agneau de Dieu. Amen. Donc je remercie l'église du Péniel ici, le pasteur, le frère Nanda Chetty qui est absent. Donc c'est une grande grâce pour moi de partager la parole avec vous pendant ces conventions de Pâques ici. Aussi, je remercie tous les serviteurs de Dieu dans l'église du Péniel Tabernacle, les offices et tous ceux qui ont contribué à cette réunion et lieu ici, pour vos soutiens et votre confiance, votre amour, votre persévérance, votre témoignage pour ce message. Et je salue tous les autres ministres, le pasteur Achoc qui est là, et sa famille, son église. Je reconnais le frère Sidney, le frère Eddy. Je vois aussi le frère Krishna, enfin tous les frères qui sont là. Je ne vais pas tous citer, mais je suis vraiment heureux de vous voir avec nous ce soir, le frère Richie, aussi sa famille, et tous ceux que je connais et qui nous le connaissons déjà. Donc le frère a déjà tout dit à mon sujet, donc je ne vais pas encore compléter la liste, mais je crois que ce soir vraiment c'est...
vraiment quelque chose de merveilleux lorsque nous pouvons rencontrer Jésus dans sa parole. Ce que Frère Branham dit, c'est le seul moyen où nous pouvons le trouver, c'est dans la parole. Amen. Croyez-vous ça? Amen. Amen. Donc, Dieu soit loué pour ça. Et donc, je vous allais les salutations de l'église qui est chez moi, de ma famille, de tous les frères et sœurs qui sont sous mon ministère. Et nous remercions vraiment le Seigneur pour ce temps précieux que nous avons. Et lundi même, nous avons eu une réunion ensemble la nuit pour vraiment commémorer et remercier le Seigneur la naissance de la colonne de feu qui est descendue dans la cabane pour nous amener, susciter ce glorieux enlèvement. Et je crois que c'est la plus meilleure chose que Dieu a pu nous donner, c'est aussi de nous donner des oreilles spirituelles pour recevoir la voix du septième ange. Et vraiment, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de remercier le Seigneur que 100 ans après, et ce message devient encore plus doux et il est plus efficace et il est encore vraiment le seul absolu que nous pouvons avoir pour que la foi en nous puisse être démonstratif. Amen. Et que le Seigneur soit loué pour son ministère, l'ange de Dieu qui nous a envoyés. Et aussi, nous bénissons le Seigneur pour la famille du prophète, qu'il les bénisse là où ils sont, et tous ses collaborateurs qui étaient avec lui, que le Seigneur les bénisse tous à cause de ce grand ministère que nous sommes là ce soir. Amen. Glorifie soit le nom du Seigneur ce soir. Donc, j'aimerais prendre avec vous, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, même verset 22, on peut lire. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Vraiment, il fallait que ce soit Dieu lui-même, toujours qui vient pour vivifier sa parole. Amen. Tout ce que nous pouvons dire ici, Seigneur, ne fera rien. Mais comme le centenier a dit, il dit seulement une parole. Quand il sort directement du Saint-Esprit, de la bouche de Dieu, alors les malades seront guéris, les boiteux pourront marcher, les aveugles verront, les morts ressusciteront. Seigneur, nous croyons de la puissance de la voix de Dieu. Et merci, Seigneur, ce soir. Vraiment, nous commémorons la naissance de la colonne de feu. Qui, 100 ans après, Seigneur, oui, il est le même Dieu. Amen. Selon Hébreux 13, verset 8. D'accord. Il ne peut pas faillir, il ne peut pas mentir, il ne peut pas dévier. Seigneur, il ne peut que vraiment nous amener directement, amen, vers notre demeure éternelle. Alléluia. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Seigneur, nous sommes là ce soir, oui, parce que dans ce temple-là, Seigneur, oui, le Saint-Esprit a encore des rangements à faire. Amen. Le Saint-Esprit doit consolider ce temple. Amen. Le Saint-Esprit doit édifier ce temple. Saint-Esprit doit purifier, nettoyer ce temple. Afin qu'au moment voulu, la Tchéquina descendra dans toute sa gloire. Et il manifestera ses merveilles au monde. Montrera que cette Bible n'est pas seulement le papier, mais cette Bible est vivante. Par le Saint-Esprit, vivant dans les hommes et des femmes qui croient le message de l'heure. Nous croyons dans la puissance du sang de Jésus. Nous croyons dans ce glorieux enlèvement. Nous croyons qu'un bon matin, Seigneur, nous tous nous partirons, nous quitterons ce monde et nous irons à la rencontre du Seigneur, selon la promesse qui nous a été donnée, Seigneur. Et ce soir, nous sommes venus bénir ton saint nom, parce qu'aucune de tes paroles ne failliront jamais, Seigneur. Merci pour cette réunion, cette convention de Pâques, Seigneur.
Nous prions que l'intervention divine, le Saint-Esprit lui-même, vraiment amène une nouvelle naissance parmi nous. Amène de consécration, Seigneur. Amène la fidélité, Seigneur. Amène la paix dans le cœur. Amène l'esprit du discernement, Seigneur. Amène la joie, Seigneur. Oh Dieu, que les pas soient triomphants, Seigneur. Qu'il n'y ait plus personne qui les chancelle. Qu'il n'y ait plus personne qui ressorte ici la même, Seigneur. Mais nous voulons un contact avec Elohim, le Dieu vivant qui était manifesté dans la chair, qui a donné toutes les promesses à la semence royale d'Abraham. Ce soir, nous croyons que tu es ici, Seigneur. Non pas besoin de nos yeux pour voir, mais nous, Seigneur, dans notre cœur, dans nos âmes, la parole a été déposée sous forme de semence. Et il nous dit que tu es là ce soir. Et nous croyons que tu es ici, Seigneur. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas faillir, Seigneur. Alors nous croyons que là où tu es, Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, Seigneur. Si, Seigneur, ce soir, exprime-toi, Seigneur. Oint l'élève pécheur de ton serviteur. Seigneur, et mets-moi à part, Seigneur, pour que vraiment le Saint-Esprit puisse utiliser la parole avec puissance et autorité, Seigneur. Et que la douceur, la douce colombe, la vie de Dieu puisse se trouver en nous ce soir. Nous sortons d'ici, Seigneur, allégés de nos maladies, allégés de nos fardeaux, allégés de nos péchés, allégés des soucis, et nous puissions rentrer dans la paix du Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Bénis ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Vous asseoir. Gloire à Dieu. Donc, je voulais vraiment, ce soir, comme je disais, chercher toujours quelque chose pour vraiment nous aider. Et je vais me parler ce soir sur les semences spirituelles de Dieu. Amen. Et je crois que la Bible dit une chose, nous encourager, c'est que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc il ne pratique pas le péché. Donc Dieu a mis déjà sa vie à l'intérieur de tous ceux qui sont prédestinés. Amen. Et lui-même dans la parole, il nous a confirmé, celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher, ne peut pas pécher, Amen. Ne pratique pas le péché. Amen. Ça ne veut pas dire que les gens ne tombent pas. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas tentés. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de faute. Mais ça veut dire que tu ne pratiques pas le péché. Amen. Il n'a pas l'amour pour le péché, mais il a l'amour pour la vérité. Amen. Et ça, c'est seulement quand vraiment la lumière de la parole a descendu dans la semence. Il a vivifié la semence, et la semence qui prend la vie, et la semence en elle-même, elle n'a pas besoin d'autre chose à additionner. La semence a déjà la puissance, Amen. Potentiellement. Elle a besoin de la lumière et vraiment d'un encadrement de vie pour pouvoir manifester cette puissance qui était là. Donc je crois que sans la vie dans la semence ne peut jamais être manifestée. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu aussi a ses semences. Donc il y a les semences naturelles dans le monde, il y a des semences spirituelles de Dieu. Et je crois que la parole, Frère Madame dit que la parole de Dieu est une semence. Amen. C'est pour ça qu'il dit que lorsque nous venons dans la présence du Saint-Esprit, nous devons être comme cette terre fertile. Donc Dieu, le Saint-Esprit, travaille, fait un travail dans l'âme pour préparer vraiment le terrain, labourer le terrain, pour que lorsque la parole qui vient sous forme de semence, quand il tombe dans nos cœurs, ne tombe pas dans les rocs, ne tombe pas vraiment dans les racines, ne tombe pas dans une terre vraiment qui est stérile, mais il tombe dans un endroit où il peut être manifesté. Amen. Et combien croient cela ce soir? Donc vraiment, je crois que c'est pour ça que la louange, l'adoration et toutes ces choses-là font partie de la vie d'un croyant. Donc vous voyez, c'est pour cela que nous ne sommes pas vraiment comme les gens qui vont entrer dans une partie de domino ou de cartes. Vous voyez, donc nous entrons dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire que nous allons recevoir la semence de Dieu. Et sa semence est sous forme de la parole. Et si Dieu ne parle pas, tu ne peux pas être fortifié. Et nous ne pouvons pas venir non plus avec une condition propre à nous, mais nous venons selon les exigences de Dieu. Et Dieu a une certaine restriction, une certaine exigence qui nous demande
lorsque nous venons aussi à lui. Donc c'est pour cela, plusieurs fois, nous voyons dans la Bible, Abraham parle que souvent la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est apportée, même avec puissance et autorité. Le Saint-Esprit est là faisant des miracles. Et ceux qui étaient là dans le temps de Abraham, ceux qui étaient là dans le temps de Jésus-Christ, n'ont pas pu recevoir la semence parole. Vous voyez, parce que les exigences de la préparation n'étaient pas approuvées. Donc c'est pour cela que je crois que vraiment, il nous faut vraiment ce soir que le Saint-Esprit vraiment irrigue le cœur et vraiment prend l'âme et en vraiment remuant, labourant, je crois qu'il peut déposer quelque chose. Amen. Alléluia. Donc c'est quand nous sommes trop sûrs de nous, quelquefois ça nous sert aussi à ça peut être ainsi un prétexte pour nous renfermer. Mais je crois que comme David a dit, sonde-moi, ô Dieu. Et que c'est un homme qui avait vu beaucoup d'exploits de la part de Dieu. Lui-même, Dieu l'a utilisé comme un instrument plusieurs fois. Il a vu vraiment la puissance de Dieu dans ses mains, devant ses yeux. Et il croyait la parole, il vivait la parole. Mais malgré tout, cet homme-là avait une souplesse aussi qui permettait de lui dire, sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie et ramène-moi dans la voie. Donc c'est la condition que je veux être ce soir. Un instrument où Dieu peut m'utiliser selon ce que ça lui semble bon. Et je crois que c'est comme cela que nous les croyants du message, eh bien nous allons avancer et intensifier notre progression spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela... Eh bien, nous croyons que le chrétien aujourd'hui, eh bien, en dans le cœur, devrait avoir l'amour de la vérité. C'est pour ça que la semence de Dieu est entière. Donc, ce n'est pas des miettes. C'est une semence entière. Donc, Dieu, il faut vraiment dire que dans cet âge, Dieu appelle chaque individu. Donc, c'est le travail de la rédemption dans chaque cœur est total. Donc, Dieu ne commence pas à moitié le travail du salut. Donc tout ce que Dieu fait, c'est de nous amener à la pleine manifestation. Donc s'il nous doit nous amener à la pleine manifestation, il doit nous donner de la pleine puissance de la parole qui amène cette semence dans la pleine manifestation. Donc quelquefois, eh bien dans la semence naturelle, vous voyez, si avant que la semence même ne commence à pousser, si vous commencez à couper la semence avant même qu'elle n'ait plus été manifestée, elle ne peut jamais quitter sa position de semence pour devenir dans la manifestation. Donc ce que Dieu a fait, il nous a préservés. Dieu nous a protégés. Dieu savait dans quelles conditions, à quel moment précis, la parole devait venir à nous pour nous amener dans la manifestation totale. Et pendant ce temps-là, nous avons eu besoin de vivre dans une condition de protection. Mais ça ne reste pas longtemps. Vous voyez, c'est une étape où Dieu sait que la semence avait besoin d'être protégée. La semence avait besoin absolument de cette protection jusqu'à ce que la pluie arrive, l'eau descend, la lumière peut frapper. À ce moment-là, la semence elle-même, Dieu a mis un mécanisme dans la semence pour qu'elle puisse quitter la condition dont elle était protégée et monter pour atteindre la perfection, pour montrer vraiment ce qu'elle était à l'intérieur. Et je crois que chaque croyant du message, chaque croyant, chaque chrétien, eh bien, Dieu sait vraiment notre comment nous sommes vulnérables. Dieu sait nos faiblesses, Dieu sait à quel moment il fallait nous prendre, et avant ce temps-là, Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Mais maintenant, arrivé un temps, c'est le contraire. Dieu doit t'exposer. Vous comprenez le rôle de la semence spirituelle de Dieu? Il y a un temps où Dieu nous garde. Il y a un temps où Dieu nous protège. Il y a un temps où Dieu nous arrose. Il y a un temps où Dieu envoie la lumière. C'est le processus pour que tu quittes l'état des semences sous forme cachée, mais que la semence vienne sous forme manifestée. Ça veut dire qu'il y a un développement qui se commence dans la vie spirituelle. Et dès que au moment où la semence a eu contact avec la parole,
Le moment où la semence a commencé le processus du développement, remarquez que ça ne peut plus s'arrêter dans le naturel. Dans le spirituel, quand la semence commence à grandir, elle ne peut plus s'arrêter. Et plus la semence prend de la parole, plus la semence prend de la nourriture, vous voyez, c'est plus elle s'expose. Vous voyez, à un moment donné, elle peut avoir un développement sous le sol. Vous voyez, c'est un développement timide sous le sol, mais à un moment donné, quand elle a quitté le sol, vous voyez, elle devient de plus en plus exposée. Et dans la vie de chaque croyant, donc Dieu, plus nous grandissons, plus Dieu nous expose. Plus les épreuves, les combats ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Vous voyez, parce que non seulement tu peux les supporter, mais tu n'as pas le choix. Vous voyez, parce que tu es définitivement exposé. Donc c'est pour cela que Dieu, comme étant sa semence qui vient de lui, Dieu a confiance dans la vie qui se trouve dans la semence. Vous voyez, parce que c'est sa parole. Donc Dieu, sachant qu'aucune façon sa parole ne peut faillir, c'est pour cela que Dieu sait que tu dois être exposé. Tu dois être tenté, tu dois être livré, tu dois être vraiment passé par tous les mals possibles pour vraiment qualifier la vie qui s'est trouvée dans la semence, dans l'état de la protection, que Dieu ne protégeait pas quelqu'un comme un autre. Mais lui, il est différent de toutes les autres semences. Parce que celui-là était la semence de Dieu cachée dans un pécheur, caché dans quelqu'un qui était éloigné, mais Dieu a amené cette semence vraiment dans la pleine, sous la pleine parole, irriguée. Vous voyez, Dieu, sachant que quand il sera irrigué là par la parole, il ne peut pas rester inerte, il ne peut pas rester inactif. Donc c'est la loi de Dieu même dans la nature qui fait que chaque semence, pour qu'il se manifeste, doit recevoir de l'eau. Donc c'est pour cela, et quand il reçoit de l'eau, tout s'opère lui-même. Tout commence à entrer, le mécanisme commence par le développement, et tant que ce mécanisme se met en route, pourquoi? Pour montrer ce qu'il y avait dans la semence. Et je crois, mais pourquoi nous aussi, Dieu nous amène à la pleine manifestation de la parole, il ne veut pas faire de nous vraiment un chrétien qui a eu juste quelques bénédictions, et puis ensuite Dieu a pitié de nous, Dieu va nous ramener à la maison. Non, Dieu veut t'exposer jusqu'au bout. Ce n'est pas ta vie que Dieu veut montrer, parce que sa parole, tu n'as rien à voir avec sa semence. Dans ton âme, il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à la parole. Sous forme de semence, Dieu a mis là une révélation de ton cœur et Dieu veut amener cela jusqu'au bout. Donc c'est pour cela, lui, il a confiance dans sa semence, qui est la parole qui est tombée dans l'âme, mais il ne veut pas te garder sous forme d'un chrétien tout timide là, qui n'a jamais de problème, tu n'as jamais de conflit, tu n'es jamais malade, tu n'as jamais besoin de personne. Dieu veut justement te pousser en dehors de la condition qu'il t'a gardée avant pour montrer que Christ était là, que la parole était déjà à l'intérieur. Mais maintenant, c'est le moment de la manifestation de ce qui était à l'intérieur. Donc, pourquoi nous sommes les semences spirituelles de Dieu? Nous ne sommes pas la semence d'un homme. Nous ne sommes pas la semence de monsieur ou madame un tel. Donc, vous voyez, c'est pour cela que Dieu, Frère Madame dit que Dieu lui-même, venant dans le monde, Dieu était comme un constructeur, un entrepreneur. Donc, il dit que Dieu a construit le corps de Jésus dans une maison dans laquelle il pouvait habiter. Donc, c'est pour cela qu'aucune partie de Marie ne pouvait se trouver au Seigneur Jésus. Donc, chaque fibre et chaque cellule venait de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce soit lui-même
qui construit une maison dans laquelle il pouvait habiter. Et lorsqu'il est descendu là, il était venu montrer l'efficacité de la parole. C'est pour ça qu'il a pris ce temple, il a pris ce tabernacle pour montrer que même quand Dieu descend sous forme de semence, croyez-vous ça? Il est né dans une crèche. On l'a porté, on l'a soigné, on l'a donné à manger, on l'a donné à boire. Mais le temple était construit par Dieu. À l'intérieur du temple, c'était toujours Dieu. Et à un moment donné, arrive le temps de la manifestation. Vous comprenez? Et Dieu voulait éprouver le matériau. Dieu voulait exposer la semence qui était là. Donc, pour lui, c'était l'intérieur comme l'extérieur qui venait de Dieu. Amen. Donc, la semence qui était en lui, et lui-même venait de Dieu. Tout était Dieu. Et lorsqu'il marchait sur la terre, il était venu montrer les gens ce qui était Dieu. À quoi pouvait ressembler Dieu? Maintenant, tout ce travail-là, lorsqu'il a quitté la terre, Franham dit qu'il a envoyé son esprit dans l'église. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans l'église. Donc, vous voyez, la même vie qui continue. Le même esprit qui vraiment continue dans l'épouse. Et si la vie qui était en Christ, nous avons pu voir les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Donc Dieu n'attend pas moins que ça. Est-ce que vous croyez? Amen. Dieu n'attend pas que nous faisons moins que ça. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Parce qu'il sait que lorsque vous recevez sa parole, c'est une semence de Dieu qui est en vous. Et cette semence de Dieu-là ne pourra rien d'autre que manifester Jésus-Christ. Donc ce que je prêche ce soir, c'est pour nous amener à avoir confiance dans la puissance de la parole sous forme de semence. Vous voyez, cette semence-là est incorruptible. Cette semence-là, on ne peut pas faire quoi que ce soit, elle va toujours manifester Dieu. Parce qu'elle vient de Dieu, alors impérativement, elle manifestera Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour cela, peu nous importe ce que l'emballage peut ressembler. Peu nous importe l'endroit où on a mis l'emballage. Vous voyez, pour savoir ce que nous sommes, nous avons besoin de l'eau. Et lorsque la semence est arrosée, quelque chose va se passer. Nous allons montrer vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Donc c'est pour cela, quand nous avons commencé le message, pour ceux qui ont commencé il y a 30 ans, ou plus 40 ans, ou 50 ans, nous avons eu beaucoup de gens que nous connaissons. C'était le temps vraiment où on semait, le message. Vous voyez, c'était sous forme de semence. Oh, Jésus nous aime, Frère Branham est le prophète, la colonne de feu est venue, ah, nous croyons Jésus dans Frère Branham, nous croyons que le message de l'heure, c'est le plus grand message, c'est nous amener vraiment dans l'enlèvement. Et tout le monde jubilé, et on manifeste Jésus ensemble. Puis, quelque chose, phénomène vraiment extraordinaire. Quelquefois, 50 ans après, vous ne trouvez plus les mêmes personnes. Que s'est-il passé? Vous voyez? Parce que chaque semence doit produire selon son espèce. Et dans le temps de la moisson, on peut différencier tous les types de semences. Parce qu'on arrive à la manifestation. Vous voyez, et souvent les gens me disent, mais oh, j'aimais tellement bien avoir avec les vieux frères et sœurs, les anciens, mais dommage, ils ne sont plus là. Frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire pour les retenir, et vous ne pouvez rien faire pour repousser quelqu'un. Parce que chacun va manifester la semence qui vient en lui. Donc ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas que toi tu as fait faux ou que lui il a fait bon, mais ça dépend de la vie qui s'est trouvée en lui. Si Christ est dans la semence, cette semence ne peut pas mourir. Peu importe l'endroit où on l'a mis, peu importe les conditions que la vie lui a données, il ne peut pas mourir. Donc vous voyez,
S'il a vraiment reçu la parole, alors tout au long de son voyage ici, Christ sera vivant en lui. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons prendre confiance dans le message. Amen. Donc prendre confiance que la semence sous forme de parole dans nos âmes, Christ en nous, nous amènera jusqu'au bout. Amen. Et nous devons être sûrs de cela. Donc c'est pour cela que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et nous voyons que maintenant, les choses deviennent plus sélectives. Où chaque chose doit être amenée vraiment à une manifestation complète. Et ce n'est plus le moment de jouer, ce n'est plus le moment de vraiment nous amuser comme nous faisons avant. Nous devons savoir qui nous sommes maintenant. Et nous devons avoir foi dans ce que nous sommes. Et nous devons croire que la parole est en nous. Amen. Croire que Christ est vraiment en nous. Amen. Si je peux recevoir la parole, si Dieu m'a donné un esprit qui reçoit la parole, ça ne peut pas être autre chose qu'un fils de Dieu. Amen. Donc vous voyez, et si, je dis bien, si le chrétien pouvait croire en lui, comme le diable croit en lui, nous ferons des exploits. Amen. Vous voyez, le diable croit en nous plus que nous, nous croyons en nous. Ah ça, ce n'est pas normal. Si je reçois la parole, c'est que Dieu m'a donné des oreilles spirituelles pour recevoir la parole. C'est indépendant de mon corps. C'est indépendant de mes cinq sens. Ça, c'est ce que Dieu a prédestiné à que je peux recevoir la parole. Donc, à ce moment-là, si je peux recevoir la parole, ce n'est pas juste pour recevoir la parole. Mais c'est que Dieu a voulu que je manifeste la parole. Et quand je crois dans l'existence de la vie de Christ en moi, alors je ne peux plus avoir une foi qui défaille. Je ne peux plus avoir une foi artificielle. Je dois avoir la foi de Christ. Vous voyez, je crois seulement la parole. Et à ce moment-là, vous voyez qu'à l'intérieur, Dieu édifie ce temple, ce tabernacle. Et la semence que nous étions là-bas, à ce moment-là, il transforme. Vous voyez, il nous amène à l'image de Christ. Il nous amène vraiment à manifester Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si nous avons reçu la semence de Dieu, alors nous avons les mêmes caractéristiques que lui. Nous avons les mêmes goûts que lui. Nous avons les mêmes désirs que lui. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en nous, qui est venu par la parole, fera que notre nature pécheur se soumet à la nature plus puissante, qui est la semence de Dieu, qui va dominer sur la semence corruptible, qui est les envies de la chair. Donc c'est pour ça qu'il est important, vraiment, pour quelqu'un seulement que tu crois la parole, il reçoit la parole, il faut vraiment que nous passions par cette nouvelle naissance, une mort à soi-même, pour que Jésus-Christ prend vraiment cette semence, l'expose là, le vivifie, le met là dans le bon terreau fertile pour qu'il grandisse. Et lorsqu'il prend un développement dans le croyant, nous voyons qu'il y a aussi un changement. Vous voyez, ce n'est pas seulement que nous professons des lèvres, parce que nous pouvons raconter tout ce que nous voulons. Vous voyez, mais il y a une seule évidence de l'authentique Saint-Esprit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc chacun peut raconter la version du Saint-Esprit comme il l'a reçu. Moi j'ai roulé dans la boue, moi j'étais sur l'eau, moi j'ai ricané, moi j'ai pleuré, moi j'ai sauté, moi j'ai parlé en langue, tout ça c'est bien. Mais on reconnaîtra au fruit qui est manifesté dans ta vie. Donc vous voyez, et à ce moment-là, on peut identifier déjà les genres de semences que nous avons en nous. Donc c'est pour cela que nous devons vraiment avoir confiance que ce message-là est venu pour amener la manifestation de toutes les semences. Amen. Alléluia. Si nous voulons trouver un authentique croyant, ou si nous voulons comprendre qui est un hypocrite, laissez le Saint-Esprit descendre. Vous voyez, il révèle le véritable croyant, il révèle aussi l'hypocrite. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous plantez un grain de pommier ou un grain d'haricot, vous voulez savoir, vous ne connaissez pas les semences. Peut-être que vous êtes un ignorant, vous ne connaissez pas dans les semences. Ben, vous n'avez pas besoin d'invoquer de la magie. Il suffit de mettre de l'eau,
et vous laissez pousser, et vous allez comprendre que ici c'était ça, et l'autre c'était l'autre. Vous voyez, et dans le corps spirituel, dans l'épouse, c'est la même chose. Vous pensez que Dieu a peur pour la semence? Dieu n'a pas peur pour sa semence. Il sait la valeur que nous avons. Il sait que partout où on te met, tu vas manifester ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc c'est pour cela, eh bien, que Forum parle beaucoup dans ce message, eh bien, de l'authentique Saint-Esprit. Vous voyez, s'il y a eu des imitations, s'il y a eu des fabrications, s'il y a eu vraiment de la perversion, s'il y a eu toutes sortes de choses qui étaient falsifiées au cours des âges, ce n'est pas une raison que le réel n'existe pas. Il fallait que le temps de la pluie arrive et que la semence soit bénie par la pluie. Et à ce moment-là, en grandissant, on peut voir vraiment, lui, il était vraiment un réel croyant. Celui-là, il n'était pas. Ce n'est pas à cause de toi. Mais c'est qu'on l'a aussi arrosé de la même pluie. Il a reçu les mêmes bénédictions. Pendant un temps, il s'est réjoui. Tant qu'il était petit là, vous voyez, quand vous voyez l'herbe qui pousse dans les champs, en même temps avec le blé, je faisais cette remarque il n'y a pas longtemps, eh bien, quelquefois, même la mauvaise herbe, elle est jolie. Elle est vraiment verdoyante, elle se couche avec le vent, et le reflet du soleil qui est rouge là, c'est très joli. Vous voyez ? Aussi la semence qui est là, elle est jolie aussi. Tous les deux se réjouissent de la pluie, se réjouissent du bonheur de vivre, mais il y a un entre les deux qui ne va pas arriver au bout. Vous voyez, un, sa destinée c'est d'être brûlé. L'autre c'est d'être ramassé pour être mis au grenier, ce que Jésus a dit. Et je crois que vraiment ce que nous comprenons dans ce message, vous voyez, nous ne sommes pas là pour disqualifier les gens. Personne ne peut disqualifier quiconque. Vous voyez, même le semeur qui a semé, vous voyez, dès qu'il a arrosé, il ne va pas prendre sa pioche pour enlever les semences, pour commencer à les comparer, c'est trop tard. Vous voyez, il faut laisser le temps de la manifestation. C'est ce que Jésus a dit, laissons-les croître ensemble. Il y a un temps pour semer, et il y aura un temps pour moissonner. Et le temps de la moisson, ce que Dieu n'a pas planté, il ne va pas le récupérer. Mais ce que Dieu a semé, lui, il va ramasser ça. Et ce message-là doit produire la foi pour l'enlèvement. Ce message-là produira les fils de Dieu manifestés. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Parce qu'à ce moment-là, je serai en vous. Vous voyez? Donc je crois que vraiment, nous vivons un temps glorieux. Vous voyez? C'est le temps le plus merveilleux que nous vivons. Parce que nous pouvons voir vraiment, nous n'avons pas commencé à croire en vain au début. Vous voyez? Ça n'a pas seulement tombé dans des oreilles charnelles. Mais à l'intérieur de vous, il y avait aussi une oreille spirituelle qui a amené la semence spirituelle à se réveiller, à se manifester, comme ce petit aigle. Vous voyez, il y a un moment, tant qu'elle était couvée là, sous la poule, eh bien personne ne pouvait toucher à ses œufs. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit au niveau de ce nid. Vous voyez, parce qu'il était encore sous forme de la semence dans un œuf. Donc, il ne pouvait pas recevoir aucun signe de l'extérieur. Vous ne pouvez pas parler à un œuf. Il ne peut pas comprendre ce que vous dites. Mais l'aigle qui avait pondu cet œuf-là savait que son sang était là-bas. Et peu importe la personne qui a pris cet œuf-là, il ne pouvait rien faire avec cet œuf. Parce que cela appartenait avec quelqu'un d'autre qui n'habitait pas ici. Vous voyez? Et que tôt ou tard, si cet œuf-là était vraiment exposé à la croissance, il n'allait pas manifester une poule. Il allait manifester les gènes qui étaient dans son propriétaire. Donc vous voyez, c'est pour cela que Jésus a confiance dans l'épouse. Vous voyez, Dieu n'a jamais eu peur de nous laisser dans le monde. C'est pour ça qu'il a pris Père, je ne te prie pas eh bien, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous restons ici. Que le diable soit ici, ça ne change rien pour Jésus. Ça ne change rien pour la parole. Dieu savait qu'il y aurait des tribulations. Dieu savait qu'il y aurait des tentations. Dieu savait que le péché allait submerger le monde. Dieu savait que la charité allait se refroidir. Dieu savait qu'il y aurait des imitateurs. Dieu savait que même le soi-disant croyant allait dépasser même le vrai croyant dans les gestes, dans ses fabrications. Mais est-ce que ça a empêché Dieu de nous laisser sur la terre? Il savait que au temps voulu, vous voyez, quand la voix dira « Voici l'époux », allez à sa rencontre.
les soi-disant ne montrons pas. Ce sont ceux qui ont de l'huile à l'intérieur. Comment ont-ils reçu de l'huile? Ils ont des oreilles spirituelles. Ils ont reçu une révélation. Ils ont reçu la parole. Et Frère Branham dit, les autres n'ont pas d'oreilles. Donc ils ne pouvaient pas recevoir la voix. Ils ne pouvaient pas entendre les promesses. Ils ne pouvaient pas entendre tout ce que Dieu disait d'eux. Mais ce soir, nous avons cette grâce. C'est que le message que nous avons entendu il y a 30 ans, c'est le même message, c'est le même Dieu. C'est la même promesse. C'est la même vie. C'est la même foi. Mais une étape a été franchie. C'est que nous ne sommes pas restés dans l'étape de l'embryon. Nous ne sommes pas restés dans l'étape enveloppée de la balle. La pluie est tombée sur cette semence. Et nous sommes en train de montrer au monde entier que ce Jésus qui a commencé son œuvre en nous, il est toujours là ce soir. Et il grandit. Et il se manifeste de plus en plus. Pourquoi? Nous sommes en train d'identifier au monde qui est vraiment notre papa. Vous voyez, c'est que dans la maladie, eh bien, nous avons toujours, eh bien, une espérance que le monde n'a pas. Dans la tentation, nous avons une espérance que le monde n'a pas. Dans les critiques, nous avons un tempérament, un caractère que Dieu a mis en nous, que le monde ne peut pas recevoir. Quand, est vrai, nous sommes châtiés, nous avons en nous un caractère qui nous permet de recevoir le châtiment. Quand nous sommes oubliés des autres, nous avons un caractère, nous avons une pensée de Dieu, nous avons une promesse qui nous fait passer par-dessus les autres, qui fait que je peux rester dans la présence de Dieu. Pourquoi vous pouvez faire ça? Est-ce que de nous-mêmes nous pouvons faire ça? C'est que la parole en vous, vous étiez dans les gènes de Dieu, vous étiez dans ses pensées, vous êtes les semences spirituelles de Dieu. Voilà pourquoi ce soir vous êtes des vainqueurs. Voilà pourquoi nous sommes capables de triompher de nos péchés. Nous sommes capables de les confesser. Nous sommes capables d'être contre nos péchés. Et nous cherchons toujours la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est que Dieu a mis en toi une vie qui est plus forte que ta semence naturelle. Plus forte que ce que ton papa et ta maman t'a donné. Cette vie-là est en train de dépasser l'autre. Jusqu'au jour où nous nous débarrasserons définitivement de cela. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Ça ne dépend plus de nous maintenant. Une fois que la semence est émise ici, il suit son cours, son processus. Et plus nous grandissons, vous voyez, c'est pour ça que la parole nous dit, nous sommes changés de gloire en gloire. Vous voyez, le monde est en train de reculer dans le néant. Vous voyez, ils n'ont plus de repères. Mais nous, ayant reçu le message révélé de l'heure, venant dans la voie du septième ange, c'était Christ lui-même descendant pour proclamer le message pour son épouse. Parce que nous étions dans ses pensées, Dieu, aucune partie de Dieu ne peut périr. Donc c'est pour cela, ce message est en train de ramener à la pleine manifestation l'épouse de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, en nous, il y a quelque chose qui nous pousse ce soir. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons une vraie représentation de notre côté. Nous étions dans ses pensées. Vous voyez, nous étions réellement, non pas en imagination, mais nous étions dans les gènes de Dieu. Vous voyez, et les cellules qui composent Dieu, nous étions à l'intérieur de Dieu. Donc c'est pour ça que Frère Branham dit, un chrétien ne peut pas mourir, pas plus que Dieu ne peut mourir. Donc c'est pour cela, maintenant toutes ces choses-là, les gens l'ont entendu sous forme écrite. Vous voyez, mais ça ce n'est pas la semence. Vous comprenez? La semence est vraie. Vous voyez, si j'arrose ce micro, ça ne va rien produire, parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est une masse, c'est une forme, elle a une couleur. Elle peut être beau, mais vous mettez la quantité d'eau, elle ne produit rien. Vous voyez? Mais dans l'intelligence de Dieu, Dieu a prévu que la semence, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui est vraiment unique en son genre. Vous voyez? C'est quelque chose qui change de forme juste sous le fait qu'il reçoit de la nourriture. Il se transforme lui-même. Et je crois qu'un chrétien, c'est pour ça que Frère Branham dit, nous ne sommes pas vraiment des membres, seulement des membres d'église. Nous faisons partie du corps du Seigneur Jésus. Amen. L'épouse, le corps parole. Amen. Donc c'est pour cela, nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous ne pouvons que monter. Amen. Nous ne pouvons que grandir. Nous ne pouvons que prospérer dans la foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce qu'il nous faut, c'est d'avoir vraiment confiance dans le Saint-Esprit. Confiance dans notre message,
confiance que vraiment la parole ne tombe jamais à vide. Ce que le Seigneur dit, la parole ne revient jamais à lui à vide. Elle accomplira toujours ce qu'elle devait faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc quand la semence grandit, vous voyez que la balle se détache de lui. Vous voyez, à un moment donné, il lui servait de protection parce qu'il était à l'intérieur. Mais à un moment donné, quand vous le mettez dans la terre, eh bien, quand il reçoit l'eau et la lumière, eh bien, il y a une puissance qui fait qu'il a besoin de se débarrasser de la balle. Il n'a plus besoin d'être enveloppé. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il pousse. Et à ce moment-là, dans la vie de chaque croyant, ces choses-là se sont arrivées. Vous voyez, quand nous étions vraiment dans le tout début, eh bien, nous avons affecté la chair. Nous avons affecté les choses ici-bas. Nous avons de l'affection pour tous ceux qui, vraiment, nous avaient entourés. Mais à un moment donné, l'esprit qui est en nous, vous verrez que ça produira le contraire. Plus nous grandissons spirituellement, plus la vie qui est en nous, vous voyez, fera la chose contraire du début. Au début, nous avons tellement besoin de cette affection. Mais lorsque la lumière est venue, nous avons de moins en moins besoin. Parce qu'en nous, il y avait tout le potentiel pour vivre de nous-mêmes. Vous voyez, de nous-mêmes, Dieu nous a donné cette possibilité de puiser dans la parole. Et en puisant dans la parole, à l'intérieur de nous, Dieu avait mis tout ce qu'il faut pour notre croissance spirituelle. Amen. Alléluia. C'est pour ça que l'épouse ne peut pas être un credo. L'épouse ne peut pas être une dénomination. L'épouse ne peut pas être la fabrication de quelqu'un parce qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu en nous, eh bien, je crois que chacun prend sa position, chacun sait sa position, et à ce moment-là, Dieu commence à exposer la semence. Amen. Et c'est là vraiment qu'on voit vraiment celui qui est né de Dieu. Vous voyez, celui qui est né de Dieu aime la vérité. Amen. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, il n'est pas de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aller contre la vérité. Vous voyez, parce que tu as en toi la vie de Dieu même. Ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Dieu. Quand tu as passé par la nouvelle naissance, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu qui vit à l'intérieur de ton cœur. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est seulement la parole. Tout ce qui est contraire à la parole, sa nature le rejette. Donc quand vous voyez quelqu'un qui s'oppose à la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas avec son expérience. La semence qu'il a reçue n'est peut-être pas bonne. Parce que la semence de la parole ne peut pas renier la parole. Le Saint-Esprit, la vie qui est en lui, l'essence qui est en lui, doit toujours accepter la parole. Donc quand il commence à repousser la parole, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette semence. Et vous voyez, s'il continue comme cela, tôt ou tard, il va périr cette semence. Parce que la seule semence qui n'est pas périssable, c'est la parole. La seule semence qui ne peut pas être corrompue, c'est la parole. Donc, quelquefois, il y a des gens qui raisonnent avec la parole. On raisonne avec le baptême au nom du Seigneur Jésus. Une fois, deux fois, dix fois, ça va. On raisonne avec la nouvelle naissance. Une fois, deux fois, ça va. Mais à un moment donné, tu dois grandir. Tu dois accepter que tout ce qui vient de Dieu, c'est pour ton édification. Et ça continue. Et plus nous grandissons, Dieu nous fait découvrir des choses que nous n'étions pas capables de prendre avant. Oui, c'est comme un arbre, quand il est petit comme ça, il fait que sortir de la terre. Est-ce qu'il a besoin de sucre? Il n'a pas besoin de tout cela. Est-ce qu'il a besoin vraiment de minéraux comme un arbre qui a déjà 20 ans d'âge? Ce n'est pas possible. Il est dans la croissance. C'est pour ça que, frère, il y a qu'un chrétien, quand tu es né de nouveau, ce n'est pas demain matin là que tu vas atteindre la perfection. Tu dois passer par une étape de la croissance spirituelle. Vous voyez? Et Dieu sait pour ta croissance au moment de ta stature où tu es ce soir, il sait exactement la parole qu'il te faut. Amen. Pour vraiment que la semence continue à grandir. Amen. Alléluia. Maintenant, si arrivé à un certain âge que vous avez vraiment des branches, des feuilles et toutes ces choses-là et que vous ne portez toujours pas de fruits, là c'est grave.
Vous voyez, Dieu ne nous a pas plantés pour le feuillage. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas plantés pour nous collectionner. Dieu veut que Christ soit vu en nous. C'est son seul désir. C'est pour ça qu'il t'a planté. C'est pour que tu reproduis Christ. Sa vie soit reproduite. Les gens voient Christ en nous. Maintenant, c'est me contenter, mais Seigneur, mais je me contente d'être. Si je suis un bon chrétien à l'église, je paye ma dîme, je chante le cantique et je rentre chez moi tranquillement. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Lui, ce qu'il veut voir, c'est que les gens voient Christ en moi. Et tant que Jésus n'est pas vu en moi, je dois grandir. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui manque dans cette nourriture spirituelle pour que cette semence-là atteigne la perfection. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il soit pleinement manifesté. À ce moment-là, nous donnerons du fruit. Les gens vont voir, mais cet arbre-là, vraiment, nous connaissons qui est cet arbre. Nous connaissons, on a besoin de mettre comme dans les musées, dans les zoos, ou dans les jardins publics, on met des petites attaches là avec les arbres. Famille de telle, telle chose. Famille de telle, telle chose. Famille de telle, telle chose. Mais comment nous connaissons tout ça? C'est des mots scientifiques, botaniques ou quoi? On met des plaques parce que les gens ne connaissent pas. Ou on n'a pas vu le fruit. Mais si vous entrez là, vous voyez un pommier, toutes les pommes là qui tombent sur ta tête. Là. Tu vas encore chercher le panneau? Ça, c'est le pommier, frère. Non, mais regarde bien le panneau. Pas besoin de panneau. Je sais, là, il y a des pommes là. Vous comprenez? Donc c'est ça, la semence spirituelle qui est en nous. C'est ce que Dieu veut. C'est que nous disons des épîtres lues et vues de tous les hommes. Christ vivant dans l'église, faisant les mêmes œuvres qu'il a fait. À ce moment-là, Frère Abraham dit que les gens verront, connaîtront que nous sommes vraiment les disciples. À cause de la foi que nous manifestons, de l'amour que nous manifestons, de ce développement du Saint-Esprit au milieu de nous, les gens connaîtront vraiment, oh ça c'est l'église de Jésus-Christ. Mais comment vous avez vu sa plaque? Non, il n'a pas de plaque lui. Mais moi j'ai vu ce frère. Vous voyez, je lui ai piétiné, je lui ai dit du mal. Je lui ai fait toutes sortes de choses. J'ai vu que toutes ces gens qui étaient contre lui, mais malgré tout il a l'amour. J'ai vu qu'il était malade, mais il se relève toujours, il a la foi. Où est-ce qu'il a tiré ça? Ça, ça vient de Dieu. Donc les gens verront Christ en nous par les œuvres que nous faisons, les fruits que nous portons. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous amène. C'est à vivre cette vie-là. Amen. Vous voyez, nous ne pouvons pas rester toute notre vie-là comme des bonsaïs. Des plantes où on met dans les maisons, là, on les taille, qu'ils restent petits. Même à 100 ans, ils sont toujours petits comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et les gens aiment ça. Vous voyez, un grand chêne, là, vous voyez, il a 100 ans, mais il est comme ça. Donc nous, nous ne sommes pas ça. Dieu veut nous exposer en pleine terre. Amen. Afin que nous n'avons pas besoin d'écrire bonsaï sur le pot, là. Dehors, quand il atteint la maturité, la perfection, on sait qui il est. Donc c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous. Les semences spirituelles de Dieu. Nous devons avoir confiance dans la parole et allons de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus croit en nous. Pas nous physiquement. Il nous a choisis. Je vous ai cherché. Je vous ai choisi. J'ai mis mon nom en vous. J'ai mis ma parole dans ton cœur. Qui a fait ça? Toi? Moi? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que quelqu'un peut convertir un autre? Non. Dieu l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il t'a demandé la permission? Il n'a même pas demandé ta permission. Est-ce qu'il t'a demandé si tu veux être chrétien? Il n'a pas demandé. Vous voyez, il a vu en toi que tu étais dans sa pensée avant. Tu avais une représentation déjà dans le ciel. Tu avais déjà... Il y a un autre comme toi là-bas. Vous voyez? Et cet autre-là ne peut pas vivre sans celui qui est là. Il doit ramener la perfection dans celui-là. Christ doit être manifesté sur la terre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que Frère Abraham a dit que nous avons contourné notre théophanie. Si on a contourné notre théophanie, c'est que ça existe. Je ne peux pas contourner quelque chose qui n'existe pas. Si je l'ai contourné, c'est que Frère Abraham l'a dit, c'est qu'il existe. Alors, je crois qu'il est quelque part. Je n'ai pas besoin de voir, je crois. Et à ce moment-là, ce qui me pousse vraiment vers la perfection, c'est que la semence parole qui est en moi, lui, il a besoin de changer ce corps. Vous voyez, ce cœur de pécheur, ce cœur de pierre, Dieu a besoin de changer ça. Et quand ce corps-là, la semence qui est ici, elle commence à prendre la vie,
Vous voyez, c'est aussi notre théophanie. Lorsqu'il nous voit, il se réjouit. C'est lui-même qui te pousse à aller de l'avant. Vous voyez, il a besoin de toi de l'autre côté. Mais comme tu es semé corruptible, tu ne peux pas utiliser cette théophanie. Avec toutes tes incrédulités, tu ne peux pas utiliser cette théophanie. Avec tous nos doutes, nous ne pouvons pas utiliser cette théophanie. Ce qu'il nous faut, c'est de déverser la parole. Sachant que la parole fera le travail. Sachant que le Saint-Esprit en nous, automatiquement, nous ramènera à ressembler à ce que nous étions avant. Donc nous étions de Dieu et nous retournons à Dieu. Donc c'est ça le but de la parole, la semence spirituelle, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur, lui, il a confiance en nous. Il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et lui, est-ce qu'on a pu le tuer? Non, on n'a pas pu le tuer. Est-ce qu'on a pu casser l'influence de Jésus? Non. Il est venu faire la volonté de Dieu. Vous voyez, personne ne l'a empêché. Quand on lui a dit, eh bien, on pourrait te faire taire. Hein, vous pensez qu'il écoute le message comme ça? Lui, il parle quand Dieu lui dit de parler. Quand Dieu lui dit de ne pas parler, il ne parle pas. Donc il était venu ici nous montrer vraiment la perfection de cette semence, la perfection de cette vie, la foi que Jésus avait de son œuvre, la foi qu'il avait de son épouse. Parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas confiance en vous ferait une chose pareille? S'il n'avait pas confiance dans l'épouse, est-ce qu'il aurait dit une chose pareille? C'est qu'il sait que lui-même, il était immortel. Donc sa parole était immortelle. Et est toujours immortelle. Et son esprit ne peut pas périr. C'est pour cela qu'il a envoyé son Saint-Esprit dans l'Église. Et son Saint-Esprit continue dans les âges. Continue jusqu'à ce soir. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Il a dit, nul ne vous ravira de ma main. Donc nous ne sommes pas dans le tiroir de Dieu. Dieu ne nous a pas mis dans sa poche. Il a dit, nul ne pourra vous enlever dans ma main. Donc Dieu nous a pris en main. Tout ce que le monde peut nous retirer de la présence de Dieu, est-ce que quelqu'un peut nous changer aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut nous faire retourner en arrière? Donc nous devons avoir confiance dans nos promesses. Dieu a semé sa parole en nous. Il a dit, je vis, tu vivras aussi. Et personne ne peut te retirer. Non, pas parce qu'on t'a mis dans l'église. Non, pas parce que tu es telle ou une telle personne, mais parce que tu es dans ma main. Même toi, tu ne peux pas quitter. Même un chrétien ne peut pas quitter. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais Dieu te rattrapera toujours. Vous voyez, tu ne peux pas aller. Dieu t'a donné des limites. Tu dois manifester Christ. Sa parole est en toi. Il est descendu sous forme de semence. Mais ce n'est pas n'importe quelle semence. Ce sont les semences de Dieu. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, dans ces quatre lettres-là, il y a une telle puissance. Quand il a dit rien, c'est rien. Vous voyez, l'homme, quand il dit rien, on peut rajouter encore quelque chose. Mais Dieu, je crois, quand il a dit rien, ne pourra te nuire. Vous voyez, il a semé la semence. Et il a dit à cette semence, rien ne pourra te tuer. Peu importe le brûlant soleil, peu importe si tu as été semé dans le désert, peu importe si tu as été semé dans la boue, mais rien ne pourra te nuire. Tu seras Christ manifesté. Tu seras un authentique chrétien. Tu auras la foi et la puissance de l'enlèvement. Tu auras en toi toute la vie de Christ. Rien ne pourra arrêter cette vie. Pourquoi? Pas parce qu'un homme a dit, mais le donateur de la vie même a dit cela. Celui qui avait le pouvoir absolu. Il m'a dit que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Alors, que notre foi dépasse celui du diable. Lui, il sait que l'épouse existe. Lui, il sait que l'épouse a une puissance. Lui, il sait que l'épouse, eh bien, ne périra pas sur la terre. Elle n'est pas un objet de périssable, mais elle est immortelle, elle est éternelle. Elle retournera à Dieu en parfait état. Pas à moitié, mais en parfait état. Donc le Seigneur nous bénisse ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin que là où je suis, vous y serez aussi. Donc, quelquefois, nous pensons que le Seigneur nous a abandonnés. Oh Seigneur, peut-être que eh j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas, c'est pour ça que tu... Non. Dieu, lui, quand il a commencé quelque chose, il va terminer ce qu'il a commencé. Ça, c'est nous l'homme.
Nous commençons quelque chose, puis quand ça va mal, on arrête. Nous, nous faisons des projets comme ça. Nous essayons, nous faisons, puis quand il y a une catastrophe, on est obligé de s'arrêter. Mais Dieu, lui, non. Lui, ce qu'il a commencé, il termine. Personne ne peut s'opposer à son projet. Il était résolu de faire de nous son épouse. Et nous sommes l'épouse de l'agneau. Et nous irons à sa rencontre là-haut. Est-ce qu'il y a de l'opposition pour cela? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous arrêter ce soir? Peut-être nous pourrons regarder à nous-mêmes, à l'enveloppe extérieure. Nous pourrons regarder à notre condition ici. Et le diable peut nous faire penser beaucoup de choses. Mais la semence que Dieu a mise en nous, elle ne regarde plus vers le corruptible. Nous regardons vers ce qui est parfait. C'est pour ça que Paul a dit au point où nous sommes arrivés, tendons vers ce qui est parfait maintenant. Ne regardons plus vers le charnel. Ne regardons plus en arrière. Courons, allons de l'avant pour atteindre le but de la perfection. Tendons vers ce qui est parfait. Et je crois que la semence de Dieu en nous, c'est ce qu'il fait ce soir. Voyez, cessons de lire les accusations qu'il y a contre nous. Cessons de lire vraiment nos incapacités. Cessons de regarder vraiment à toutes les choses néfastes qui ont pu nous arriver. Dieu ne nous a pas fait pour être demi-chrétiens. Dieu nous a fait pour être un chrétien pleinement manifesté. Et nous devons croire ce message, croire la parole, avoir totalement la foi que le message du frère William Branham, c'est pour amener l'épouse vraiment dans la stature parfaite. Alléluia. Amen. Êtes-vous fatigué là? C'est sûr? Moi je prêche longtemps. Hein? Gloire à Dieu. Ça va frère Dyson? C'est bon? Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous voyez, il y a un temps où l'épouse, son mari et son épouse entrent dans l'intimité. Vous voyez, parce que quand ce message sera fini, sera amené, toute l'épouse sera entrée vraiment dans le corps, eh bien ce qui restera sera prêché aux gens qui sont définitivement perdus. Est-ce que les hommes qui sont vraiment là en dehors du plan de rédemption ne peuvent plus être sauvés? Ils entendront le message pour la condamnation. C'est ce qui va se passer vraiment dans l'épouse. Mais nous sommes, vous comprenez? Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Vous voyez, quand il dit mes brebis connaissent ma voix. Ça fait déjà 2000 ans. En 2009, déjà que nous, nous ne l'avons pas vu, 2000 ans après, comment pourrons-nous savoir à quoi ressemble sa voix? Mais Dieu ne se faisait pas de doute. Pourquoi? Parce que la vie qui est en lui, les gènes de Dieu qui se reproduisent en toi, tu parleras comme lui, tu comprendras comme lui, tu entendras comme lui, tu verras comme lui, tu espères comme lui. Pourquoi? Tu as les gènes de ton père. Tu vas dire, mes brebis, mes, pas les, mes brebis, connaissent ma voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Peu importe aussi loin qu'ils sont, ils me connaissent, moi, Jésus, leur sauveur. Donc, voyez la confiance que Dieu, lui, a dans sa parole. Pour l'avoir semée il y a 2000 ans, sachant que 2000 ans après, cette semence va sortir à Maurice, dans tout n'importe quel pays, il connaît qui est Jésus. Amen. Vous voyez, il connaît sa voix. Ils ne se détourneront jamais de la vérité. Ils ne suivront jamais une voix étrangère, mais ils suivront le berger. Amen. Ils suivront la parole. Amen. Qui a fait cela? Vous voyez? Donc chacun de nous, chaque semence reproduit selon son espèce. Amen. Vous voyez? S'il y avait la vie, vous voyez, un chien va donner la vie à un chien. Un oiseau va donner la vie à un oiseau. Vous comprenez? Un poisson va donner la vie à un poisson. Mais si Dieu a donné la vie, alors quel genre de vie il va donner? Il va donner sa vie. Et quel genre de vie sera manifesté? Ce sera sa vie. Ce sera lui une nouvelle fois. Lui dans le corps-parole. Lui dans l'épouse. Ça ne sera rien d'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes sa semence. Nous sommes venus de ses gènes. Donc c'est pour cela nous allons manifester Jésus-Christ pour aujourd'hui. Donc le monde se cherche où Jésus est partout. Mais nous ne trouvons pas Jésus dans l'église,
Nous ne trouvons même pas dans la parole. Nous ne le trouvons même pas nulle part. Il ne le sait pas pour le monde. Il n'a pas dit « ils me verront », mais il s'est adressé à un groupe. « Vous me verrez ». Vous voyez, celui qui a reçu sa vie, eux, ils ont le pouvoir de le reconnaître. Amen. Celui qui vit vraiment de la vie de la parole, et ils savent vraiment qui est Jésus. Amen. Où se trouve Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Dans Romains 8, 31, ça c'est une merveilleuse parole pour les fils de Dieu. Amen, alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, nous aurons foi dans la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez, quand Paul parle ici, vous voyez, il sait que la puissance de ce message-là, c'était pour l'Église. Vous voyez, ceux qui reçoivent cela, ceux qui reçoivent la parole dans l'âme, et que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, c'était un homme qui a passé par beaucoup d'épreuves. Il a été vraiment très secoué dans sa vie. Il a été très exposé, mais il a expérimenté qui est Jésus. Il a dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc aujourd'hui, eh bien, quand nous voyons les gens se lamenter sur leur sort, sur ce qui leur arrive, oh, on nous a dit ça de mal, ah, on nous a fait ça, ah, on nous a... Frères et sœurs, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Il faudrait qu'il soit fou. Vous voyez, même le diable ne veut pas être contre toi. Quand il vient pour t'éprouver, c'est qu'il a reçu un ordre express de Dieu pour pouvoir te tenter à une certaine limite. Sinon, même lui, il n'est pas fou. Alors, quel genre serait aussi fou pour vouloir te faire du mal? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Oh, physiquement, nous sommes un humain. Alléluia. Mais dans cette enveloppe, Christ a mis sa parole. Vous voyez, donc, personne ne peut tuer la vie qui est à l'intérieur. Vous voyez, parce que celui qui croit en moi, Jean 5, 24, il est passé de la mort à la vie. Donc du moment où j'ai entendu la parole, je sais que Christ a parlé dans mon âme. J'ai accepté la vie éternelle. Vous voyez, j'ai vraiment confessé mes péchés. J'ai reçu le salut. À ce moment-là, ce n'est plus moi. Ce n'est plus vous. C'est sa parole en lui qui vous a amené à recevoir ce salut. Alors qui peut être contre nous? Vous voyez, qui peut être aussi fou pour être contre nous? Vous voyez, le diable, lui, il vient par obligation. Maintenant, changeons nos pensées. Vous voyez, nous, semence de Dieu, ce soir, changeons notre attitude, nos pensées, confessons dans le positif. Amen. Croyons que ce Christ est vraiment en moi. Amen. Comme Meshach, Shadrach et Abednego, ils croyaient tellement dans la parole de Dieu. Amen. Oh roi, sache que nous ne nous prosternerons jamais devant toi. Oh, même si on est brûlé dans le feu, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne prosternerons jamais. Nous croirons toujours en lui. Pourquoi? Dieu n'était pas seulement un symbole sur leur front. Dieu était dans leur gêne. C'est-à-dire que nous n'accepterons pas autre chose qu'un Dieu vivant. Peu importe ce qui nous arrive. Et même s'il ne nous délivre pas, nous croirons toujours le message. Donc, frères et sœurs, nous devons confesser dans le positif. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'épreuve. L'épreuve est là pour montrer justement la valeur qu'il y a en nous. Aucune épreuve est venue pour nous tuer. L'épreuve est venue pour nous élever. Pour montrer que vraiment il y a plus qu'une théorie. Mais il y a la vie. La théorie, ça c'est une limite. Vous voyez, nous nous limitons à répéter ce qui a été dit. Mais au moment du test, la théorie va faillir. Au moment de l'épreuve, il ne peut pas passer. Mais la vie, oui. Parce que ce n'est plus la vie humaine,
Ce n'est plus la vie de la théorie qui vient des cinq sens. C'est le super sens, la foi, la semence spirituelle de Dieu en nous qui prend le relais. Donc quelquefois, Dieu lui veut vraiment que nous soyons ses enfants. Il veut montrer au monde cela, c'est sa fierté. Donc c'est pour cela, pour que Christ soit manifesté plus fort en nous. Donc quelquefois, il nous éprouve un bon coup. Vous voyez, nous nous endormons trop vite. Oui ou non? Quelquefois, nous aimons trop être cajolés. Donc on ne sait même plus où est le chrétien là-dedans. Donc Dieu envoie un test vraiment choc. Ah! Là, à ce moment-là, tu commences à crier. Avant, tu prends vraiment tous tes repères dans les cinq sens. Tant que tu peux. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu aime être glorifié. Il veut voir la gloire jaillir dans cette semence. Alors, à un moment donné, quand il a faim, il est fatigué de nous voir vivre charnellement. Il sait que tu es un chrétien, vrai. Alors, il envoie aussi un test très dur dans le but de que ce Christ-là soit loué. Vous voyez, tu coupes contact à ce moment-là avec les cinq sens. Tu prends tes racines vraiment dans la semence spirituelle maintenant. Tu prends des forces à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que tu as confiance dans la semence parole. Que tu es né de Dieu. Alléluia. Donc que tu es né de Dieu, tu ne pèches pas. Tu ne pratiques pas le péché. Tu ne peux pas être condamné. On ne peut plus te condamner. Donc l'acte qui te condamnait, Dieu les a déjà détruits. Donc il n'y a aucune condamnation qui repose sur toi. Donc Dieu t'a prédestiné pour cela. Dieu t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié. Il a fait tout pour que tout ce qui te condamnait à rester ici soit détruit. Donc maintenant, comment allons-nous plaindre? Alléluia. Nous n'avons rien d'autre à faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être chrétien alors, frère? Rien du tout. Je dois l'exposer. Amen. C'est ce que Dieu veut, c'est que tu manifestes vraiment ce qu'il a mis en toi. Ne fabrique rien. Est-ce que vous avez vu un arbre marcher pour chercher les choses qu'il a besoin? On l'a planté là, il reste là. Tout se passe là dans le secret, mais l'écorce, la couleur, les feuilles, les branches, les feuilles, l'autre, tout arrive. Donc, c'était déjà en lui. Depuis dans la graine, tout était déjà là. Vous voyez, il n'a pas besoin de chercher ailleurs. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir comment nous allons faire pour atteindre la perfection. Peut-être qu'il faut un secret, peut-être qu'il faut un... Non! Si je suis né de Dieu, je ne peux pas périr. Même quelqu'un me dit que l'enlèvement est fini, Jésus est venu, frère, tu es déjà mort. Ah, ça, qu'est-ce que ça change pour moi? Il est en moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a dit. C'est parce que lui, il-même, il a confirmé qu'il est en moi. Amen. Donc aujourd'hui, on se compare les uns les autres. Alors, l'autre dit, moi, je pense que lui n'est pas bon. Alors je dis, moi, je ne suis pas bon. Ce n'est pas lui qui compte. C'est ce que la parole dit. Amen. Maintenant que la parole dit que tu n'es pas bon, toi aussi, tu dois croire que tu n'es pas bon. Tu ne peux pas aller contre la vérité. Donc combien de gens argumentent avec la parole? Le Saint-Esprit vient le corriger, dire là tu n'as fait quelque chose qui n'est pas bon. Frère, tu sais, ah, non, c'est pas comme ça qu'on voit le message, nous on voit le message d'une autre manière. Tu raisonnes avec la parole? Tu ne peux pas raisonner avec la parole. Amen. Tu dois aimer la vérité. Amen. Si quelqu'un vient te reprimander, frère, tu as fait ça, ça c'est contre le message, c'est contre la parole, tu as fait quelque chose vraiment, tu es dans l'erreur. Alors tu vas commencer à bouder. Tu vas commencer à faire des grimaces. Tu as de la haine même pour lui. Est-ce que tu es la semence de Dieu? Est-ce que ça, c'est la vie de Dieu? Réjouis-toi de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Oh frère, tu as dit la vérité. C'est vrai que je ne suis pas. Mais toi, tu as dit la vérité. Béni soit le Seigneur. Je vais mettre ma vie en ordre. Parce que moi, je suis pour la vérité. Il n'y a pas de perdant. Oh, lui, là, tu vois, je l'ai corrigé, il avait tort. Frère, ça, ce sont des stupidités. Tu ne peux pas corriger. Il est la semence de Dieu. Lui, il est né de Dieu. Depuis le début, Dieu était en lui. Mais il était dans une phase d'apprentissage. Il était dans le temps de la croissance, du développement.
Oh, lui, c'est un nul, il ne sait rien. À chaque fois, on doit lui apprendre. Mais frère, si c'est un chrétien, il ne peut pas être un nul. Vous voyez? Et vous devenez ce que vous acceptez. Si les gens disent vous êtes nul, vous êtes dit, oh, je suis nul, ben vous serez nul. Si les dents disent vous êtes perdu, vous êtes, ah, peut-être je suis perdu. Vous êtes perdu. Confessez la parole. Pas vos opinions, ni celles d'un homme, mais confessez la parole. Alors si quelqu'un apporte la parole, et si c'est vraiment la parole, merci Seigneur, c'est la parole. Même si c'est pour moi ou même si c'est contre moi, c'est la parole toujours. Et nous sommes là pour glorifier la parole. Parce qu'en nous, il y a une partie qui est à Dieu. Et nous voulons faire mourir les œuvres de la chair. Nous ne voulons pas là pour chérir, pour avoir compassion de la chair. Nous voulons là pour glorifier le Seigneur. Nous voulons aller à la maison. Nous voulons quitter ce monde. Nous ne voulons plus vivre dans le péché. Nous ne voulons plus vivre dans la maladie. Qu'est-ce qu'il me faut? C'est la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il est dit ici, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon ce qui est écrit. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, pardon, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, si nous avons goûté l'amour de ce message, ce n'est pas un coup je vais de l'avant, un coup je vais en arrière. Non. Si nous avons goûté à cet amour, nous avons compris une chose, c'est que rien ne pourra nous séparer. Ni l'angoisse, ni le péril, ni rien, ni aucune tribulation ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Vous voyez, nous avons compris qu'à l'intérieur de nous, il y avait une autre vie. Vous voyez, depuis, nos parents nous ont cachés dans cette balle, dans cette coquille, mais Dieu, lui, avait un autre projet. C'est qu'à l'intérieur, il y avait une petite partie qui était à lui. Il y avait une petite forme de vie éternelle qui était là. Et Dieu voulait amener cette petite partie, eh bien, dans la bénédiction. Et lorsqu'elle vient dans la parole, Dieu savait que ça allait prendre forme, que ça n'allait pas rester là, vraiment sous forme étouffée, mais que ça allait grandir. Comme Frère Branham, lui-même il a passé par la nouvelle naissance, il explique cela. Il explique comment était sa conversion, il explique comment il a trouvé le Seigneur, il explique comment l'ange lui a parlé, depuis l'âge de 7 ans, il a continué. Mais à un moment donné, il a réalisé qu'il n'était pas seulement le fils de Charles et de Ella Branham, mais il avait une partie de vie en lui qui venait de là-haut. Il venait de quelque part d'autre, vous voyez. Il dit ça dans le message, la communion. Il dit, qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre William Branham, vous voyez, une parcelle de vie éternelle au fond, provenant des gènes de Dieu, la parole de Dieu qui avait été placée là. Chacun de vous peut se rappeler des choses semblables, vous voyez, elle était à l'œuvre. Ensuite, je levais les yeux vers les arbres, je pensais, toi feuille, je t'ai vu tomber l'année passée, comment se fait-il que tu sois revenu là? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Vous voyez, c'était cette vie éternelle qui était à l'œuvre dans le corps. Alors un jour là, comme je continuais ma marche, cette voix m'a parlé, ne fume jamais, ne bois jamais, ainsi de suite. Et les jeunes gens et tout grandissaient, voyez, il y avait quelque chose qui agissait. Cependant, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles et de Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aigle, je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là, ou quelque part. Ô grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre, je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Alors, je suis né de nouveau. Cette petite vie se trouvait là. La vie de l'eau a été déversée sur elle. Et alors, elle s'est mise à croître. Frère Branham fait claquer ses doigts 3 fois. Maintenant, cette ancienne vie a été pardonnée. J'étais dans la mer de l'oubli de Dieu pour ne plus jamais être rappelé à ma charge. Vous voyez,
Maintenant, nous nous tenons justifiés, comme si nous n'avions jamais péché dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est nous. Chaque personne née de nouveau, frère, vous avez expérimenté ça. Vous voyez? Parce que chaque personne qui est sur la terre essaye de savoir pourquoi il est sur la terre. Beaucoup n'auront pas de réponse à cette question. Beaucoup cherchent, mais après la mort, où est-ce que je serai? Beaucoup n'ont pas de réponse à cette question. Parce qu'ils n'ont pas la nouvelle naissance. Mais quand la nouvelle naissance descend dans le cœur, la lumière descend dans le cœur pour amener cette nouvelle naissance, cette petite parcelle de vie éternelle qui était là, Dieu vient l'éclairer, les vivifier par l'eau de la parole. Alors il y a une prise de conscience. C'est que je ne suis pas né pour mourir. Je ne peux pas mourir. À ce moment-là, vous avez conscience que vous ne pouvez pas mourir. C'est impossible que la tombe me renferme définitivement. C'est impossible qu'il n'y ait pas un lieu meilleur. C'est impossible qu'il n'y ait pas un corps meilleur. C'est impossible que la vie soit aussi moche que cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a fait prendre conscience que nous ne sommes pas faits pour vivre comme cela, mais que la vie éternelle en nous a reçu l'eau de la parole. Nous prenons conscience maintenant que nous ne sommes pas de ce monde. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous étions à Dieu et nous retournons à Dieu. Nous sommes venus ici sous forme de semences. Dieu nous a plantés là. Et au moment voulu, Dieu est venu arroser cela. Cette petite parcelle de vie a pris conscience qu'il devait retourner. Alors, c'est ça qui fait pousser en nous la stature d'un homme parfait. Vous voyez, sans aucune main dénominationnelle, sans que nous ayons besoin d'explications. Est-ce que nous avons besoin d'explications? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que la parole tombe sur nous. Nous avons besoin de croître dans la présence de Dieu. Et les choses que nous avons besoin viendront d'elles-mêmes. Parce que nous recevons la parole. Et la vie qui est dans la parole sera manifestée à l'intérieur de nous. Croyons cela. Alors à ce moment-là, cela sera manifesté en nous. Oh, frère, j'aimerais tellement être un bon chrétien. Oh, j'aimerais tellement être comme la parole. Oh, j'aimerais tellement être comme Jésus. Oh, j'aimerais tellement marcher comme Pierre a marché. Oh, j'aurais tellement marché comme Jésus a marché. C'est très facile. Pour celui qui est né de nouveau, bien sûr. Mangez la parole. Vous deviendrez la parole. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Voyez, la plante, elle prend de la vitamine, elle prend de l'eau, elle devient un arbre. Elle grandit, elle pousse. Et les fruits sortent dans ses branches. Frère Branham a dit, vous voulez être la parole faite chair. Mangez la parole. Mangez encore la parole. Ajoutez encore la parole. Ajoutez encore la parole. Vous deviendrez la parole. Mais si on commence là à nous chiffonner sur les moindres petites choses que la parole nous corrige, ça ce n'est plus pour nous. Ça c'est pour les bébés. Ça c'est pour les nouveaux. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas eu la nouvelle naissance. Mais si nous avons passé par la nouvelle, cette étape est finie. Nous savons que la parole manifestée en nous produira tous les fruits. Tous les fruits seront là. Donc voyez, que le Seigneur nous bénisse ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il n'y a personne pour nous condamner. Qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Personne ne pourra nous séparer de son amour. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Vous voyez, ce monde, eh bien, en dehors de l'épouse, ils n'ont pas de guide, pas d'espoir. Ils n'en savent rien après la mort. Ils n'en savent rien avant la vie. Mais le Saint-Esprit est venu dans le message. Nous amener ce qu'il y avait avant la vie, avant la fondation du monde. Nous étions dans les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit est venu révéler ses paroles. Et quand ce temple-ci sera détruit, nous avons une autre tente qui nous attend là-bas, qui n'a pas été construite de main d'homme. Donc nous retournerons là-bas. Nous ayons déjà un endroit qui existe déjà. Donc vous voyez, cet espoir-là, eh bien, nous donne la foi que dans n'importe quelle circonstance, je crois qu'un chrétien a toujours la paix. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez le pape qui parle seulement la paix, la paix, la paix. Et pourtant, c'est la personne qui a le moins de paix. Vous voyez, même sur son visage, vous voyez qu'il y a la mort. Il parle de paix, la paix dans le monde, le symbole de la colombe, la paix dans les nations, il faut terminer la guerre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Frères et sœurs, ce n'est pas cette paix-là que nous avons besoin. Vous comprenez? C'est d'une paix à l'intérieur. Ce n'est pas que les chars et les canons ont éteint le moteur, mais c'est la paix de l'esprit. Et seul un chrétien né de nouveau a la paix.
Il y a des gens, même dans les dénominations, vous voyez, chanter toutes les cantiques qui peuvent, vraiment toute la nuit, peut crier. Vous voyez, le visage, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Seulement le Saint-Esprit peut amener la paix dans un cœur. Donc, voyez, les gens aujourd'hui, même en France, les concerts qu'ils donnent, eh bien, pour chanter le gospel et tout cela, vous voyez, c'est même plus de gens qui viennent écouter le gospel que le rock'n'roll même. C'est très attractif. Parce qu'ils voient des gens pleurer là sur le pupitre, ils chantent vraiment. Même des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, même les gens qui sont contre Jésus, ils viennent écouter le concert. Ils sont attirés vers cette louange. Ils pensent que ces gens-là sont des gens de paix, sont des gens de bien. Mais vous regardez le visage, ils n'ont pas la paix. Juste regardez le visage, il n'y a pas la paix. Ils vivent même dans le tourment déjà. Ils vivent même dans la tribulation. Et ils vivent même dans le doute. Ils sont en train de paniquer. Vous voyez, c'est comme le Titanic, là. Quand il s'écoule, là, ils ont chanté aussi la paix. Mais ça n'a pas empêché qu'ils sont descendus en bas. Qu'est-ce que ça sert? La paix est à l'intérieur. Ce n'est pas ce que nous disons de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Et c'est seulement un chrétien né de nouveau. Lui, il a la paix. Vous voyez, c'est pour ça que Frère Benhamé, ce message quittera les nations, ira pour les juifs maintenant. Ce sera fini pour nous. L'épouse aura parti dans l'enlèvement. Et regardez l'Israël maintenant, le type de l'Église, comment ils agissent. Eh bien, ce qui m'a étonné, eh bien, avec ces Philistins qui sont là-bas, eh bien, et ils aiment vraiment, dès qu'ils tuent un juif, là, ils doivent crier comme ça, en lançant leur kamikaze et tout, fait beaucoup de bruit. Mais quand les juifs viennent pour les répliquer maintenant, et ils sont le peuple de Dieu. Vous voyez? Et ce qui m'a étonné, c'est que leurs ennemis n'aiment pas la manière dont les Israélites les tuent. Comme s'il y avait une manière pour tuer quelqu'un. Vous voyez? Ah, c'est pas juste la manière dont lui nous tue. Mais ils envoient des bombes partout. Ils tuent tous des innocents. Et pour eux, c'est normal. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est que ces juifs-là vivent vraiment comme David a dit. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Moi, j'ai toujours entendu cela. J'ai voyé David, un grand chef guerrier, qui avait beaucoup d'ennemis, qui a eu beaucoup de combats, de victoires. Et il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça, c'est dans le psaume. Maintenant, je l'ai vu là, chez les juifs. Ils continuent vraiment cette tradition. Parce qu'ils lisent la Bible. Quand ils ont entré le mois de décembre là, à Gaza, et que les chars, quand ils sont pilonnés d'abord avec l'aviation, puis les chars ont pénétré, alors les Philistins ne sont pas contents de la manière dont les Juifs les ont tués. Je me suis étonné pourquoi. Parce qu'il dit que le sergent a ouvert son char, il est descendu tranquillement, il s'est assis sur son char, il a mis le missile vis-à-vis de la maison, et puis il mange les chips et il boit le coca. La maison est encerclée. Et lui, il est décontracté. L'autre, là, il va mourir. Vous voyez? Donc, eux, ils disent que nous voulons la paix. Les Juifs disent, nous aussi, nous voulons la paix. Mais on voit qu'ils ont vraiment la paix. Parce qu'au cœur du combat, là, eux, ils mangent des chips. Ils boivent le coca. C'est ce que la parole dit. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc, frères et sœurs, nous, ça devrait nous donner une leçon. Nous qui sommes l'Israël de Dieu, nous avons peur du diable comme s'il avait vraiment des queues et des grandes cornes. Nous avons peur des problèmes, nous avons peur de la maladie, nous avons peur de ceci, de cela. Ce n'est pas comme ça que nous gagnons notre adversaire. Nous devons lui montrer que nous aussi, nous sommes comme les Juifs, là, nous sommes très calmes. Et quand nous venons de sa maison, mangeons aussi nos chips. Et que l'Éternel combattra pour nous. Nous garderons le silence. Parce que Dieu a dit que je ne peux pas mourir. Vous voyez, les Juifs, c'est ça. Que Dieu les protège. Donc quand il arrive avec son canon de char, il a déjà visé la maison. Il mange d'abord, après il va tuer. Vous comprenez? Ça montre que lui, il sait qu'il ne peut pas mourir. Mais nous, maintenant, nous sommes dans le message. Nous avons l'Éternel aussi qui est avec nous.
Il a dit qu'il combattra pour toi. Amen. Afin que toi, tu restes tranquille. Amen. Reste tranquille, mon frère. Tu ne peux pas mourir. Est-ce que tu sais ça? À moins que Dieu envoie une lettre recommandée express au diable pour te récupérer. Il ne peut rien faire. Parce que Dieu a placé sa vie en toi. Peu importe s'il te reste une minute pour mourir, une seconde. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, il n'y a rien à faire. Tu restes toujours un croyant. Un croyant ne peut pas mourir. Tu es vraiment dans les gènes de Dieu. Vous pensez que Dieu nous regarde dans un album? Vous voyez, son cœur et notre cœur bat ensemble. Parce que nous sommes son épouse. Os de ses os, chair de sa chair. Esprit de son esprit. Alors pensez que Dieu l'a semé quelque part, puis il s'est... Non. Il a dit, moi l'Éternel, j'ai planté, j'ai aussi arrosé. Je suis même le gardien de tes nuits. Frères et sœurs, même nous, nous oublions. Ah, moi je veille sur ma vie chrétienne, je fais attention. Tu ne peux pas faire attention. C'est Dieu qui veille sur toi. Pas ton enveloppe, mais la vie qu'il a mis en toi. C'est pour ça que quand j'ai pris le fil haute tension, je devais mourir à ce moment-là. Mais Dieu n'a pas protégé William Branham, mais le don qui était dans William Branham. Donc si Dieu regardait seulement à toi-même, ça fait longtemps que tu étais au cimetière peut-être. La plupart d'entre nous, moi je lève ma main bien sûr, j'aurais été déjà dans le cimetière. Mais Dieu avait besoin de moi. Donc vous voyez, c'est lui qui décide le moment exact où je dois arrêter. Personne d'autre. Et j'ai la foi dans ces choses-là. Parce que c'est la parole. Frère Branham a dit cela. Plusieurs fois, il aurait dû mourir. Mais Dieu protégeait ce qui était à l'intérieur de William Branham. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence vie en toi. Dieu a voulu que tu viennes à la réunion de Rosil. Pourquoi? Pas pour te faire plaisir, mais pour se faire plaisir lui-même. Il trouve son plaisir d'être avec les frères et sœurs. Il trouve son plaisir de manger la parole. Il trouve son plaisir dans l'adoration. Il trouve son plaisir dans la fraternité. Si ça dépendait de nous, nous dormons à la maison. Non? Nous étions là en train de faire des choses qui plaisent à la chair. Mais l'esprit qui est en nous est plus fort que la chair maintenant. Il te dit que ton âme a besoin de la parole. Tu dois manger la parole. Tu dois vivre seulement pour la parole. Alors, tu prends le dessus. Christ en toi. Amen. Donc, je crois que ces choses-là, vraiment, devraient... Je ne regarde même pas l'heure, là, frère. Il est 8 heures. C'est bon, là. C'est bon. Gloire à Dieu. Ça va, frère Choc? Pas fatigué? J'ai pas commencé, hein? Pardon? Gloire à Seigneur. Non, il nous reste très peu de temps à vivre ici. Et l'endroit où nous allons habiter, on ne parlera pas des choses ici-bas. Même Dieu va effacer ça de notre mémoire. Vous croyez ça? Comme je ne peux plus me rappeler, est-ce que tu te rappelles quand tu étais au ciel? Qui se rappelle? Lève la main. Moi, je baisse les deux mains, je ne me rappelle pas du tout. Je peux réfléchir toute ma vie, je ne peux pas me souvenir même une seconde que j'étais là-bas. Parce que j'ai contourné ma théophanie, je n'ai pas la mémoire de ces choses. Donc quand je serai là-haut, je n'ai plus besoin d'avoir la mémoire de tout ce que j'ai vécu ici. J'étais à Dieu, je retourne à Dieu. Donc qu'est-ce que je vais entendre là-bas? Je retourne dans l'éternité, là où j'étais avant. Et si j'étais là-bas avant, est-ce que j'étais en train de parler des choses ici-bas? On parlait des choses en haut. C'est pour ça que la Bible dit aspirer aux choses en haut. Pas des choses qui sont ici-bas. Donc vous voyez, et je crois que l'épouse maintenant, nous devons vraiment comprendre, on est arrivé dans un temps où les chrétiens ne peuvent pas, vraiment nous mangeons 10 minutes de la parole, après nous allons ricaner des temps dans le monde. Or nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus, nous partons dans l'enlèvement, Seigneur est grand, j'ai reçu sa parole. Mais là on vient à l'église à même une heure de temps, là on est déjà fatigué. Trouvez ça normal? Pour des gens qui vont aller au ciel? Non, frère. Ce n'est pas parce que le prédicateur parle, mais je crois que l'église est un tout. Il y a l'adoration, la fraternité, il y a toute la louange. Tout est là. Amen. Pourquoi j'aime ça? Peut-être ma coquille n'aime pas ça.
mais lui, il n'est plus maître. Vous voyez, il doit écouter ce que je lui dis. Paul a dit, je traite durement mon corps. Donc il n'a plus le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Donc nous nous soignons trop, nous-mêmes. Donc Dieu n'a pas le temps de nous soigner. Donc vous voyez, mais nous pouvons faire une négoce avec Dieu. Nous nous occupons de sa parole, et lui s'occupera de la carrosserie. Donc si je suis malade, il amènera la guérison. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a du travail à faire. Mais si je m'occupe de la carrosserie, donc Dieu n'a plus le temps avec nous. Je me soucie tellement de mon emploi du temps, de mon travail, de mes habits, de ma santé, de mes ceci, de mes cela, c'est l'affection charnelle. Alors est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Il n'est plus là. Nous avons trop d'affection à la chair. Mais si je me donne l'affection aux choses de l'Esprit, alors mais si la carrosserie est en panne, celui qui a fait la carrosserie va réparer. S'il y a quelqu'un qui vient m'attaquer, il est mon gardien. Donc alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur nous aime plus que nous pensons. Il est plus présent que nous pouvons penser. Donc pensez la nuit quand vous dormez. Il y en a des gens qui dorment, on sait comme ils sont dans le coma. Hein. Même parfois on pense qu'ils sont morts. Oui. Même la respiration coupe le cœur, tout coupe. Ils sont tellement en sommeil. Ils dorment vraiment. Vous pouvez même les opérer sans anesthésie. Ils dorment vraiment. À ce moment-là, qui garde sur toi? La parole a dit, je suis le gardien de tes nuits. Dieu veille sur ton sommeil la nuit. Alors nous ne pouvons même pas garder sur nous. Contentons-nous de louer le Seigneur. Contentons-nous de l'adorer. Vous voyez, contentons-nous quand nous venons à l'église d'être dans l'esprit, dans l'expectative, d'être dans l'adoration, d'être dans la louange. C'est ça qui élève l'âme. Vous voyez, pourquoi l'âme ne reçoit pas la parole? Pourquoi l'âme ne reçoit pas les choses d'en haut? Parce qu'elle n'est pas dans la louange. Elle n'est pas dans l'adoration, vous voyez. Mais si elle est dans la louange et l'adoration, vous voyez, et j'ai fait l'expérience, quand nous sommes dans la bénédiction, nous sommes sous l'onction, nous sommes là vraiment en train de louer le Seigneur, le temps passe, on ne voit pas. Le Seigneur bénit, le Seigneur édifie, le Seigneur se glorifie dans l'Église. Et même les gens, quand vous les dites de partir, ils n'ont plus envie de partir. Pourquoi? Pas à cause du prédicateur, à cause du Saint-Esprit qui est dans le cœur. Vous voyez, c'est pourquoi on a donné la première place. Alors Dieu sait vraiment habiter cette maison. Il sait donner l'atmosphère dans cette maison. Il sait donner la joie dans cette maison. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Donc on va continuer jusqu'à 2h du matin. Après, le frère Nanda ne va plus jamais m'inviter ici. Gloire au Seigneur. Donc, je vais dire quelques citations, vous encourager un peu dans la parole. Gloire à Dieu. Dans le message l'enlèvement en 1965, le mot église veut dire appeler hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'arbre épouse, comme il est parlé dans la bande, l'arbre épouse. Une épouse appelée sortant. L'épouse et elle seule sera dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement, les gènes spirituels du Père. Laissez-moi m'arrêter ici une minute, cela me fait devenir nerveux à penser que je vais garder longtemps. Les gènes spirituels du Père, c'est seulement ça qui part dans l'enlèvement. Donc vous voyez, nous n'avons pas à fabriquer quoi que ce soit. Laissons la parole tomber dans l'âme. La parole, le message révélé de l'heure, il fait son travail. N'opposons rien. Donc les gens disent, moi je viens, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, frère, ne fais pas de résistance. Ne compliquez pas la situation. Frère Branham a dit, laisse. S'il a dit, c'est que c'est comme ça. Il a dit, c'est, ça doit être comme ça. Alors, n'interprétons pas la chose. Ne nous opposons pas à la chose. Mais crois seulement. Amen. Dis, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur de vivre cela. Mais je suis à la hauteur de croire ce que tu as dit. Amen. Je suis à la hauteur d'accepter ta parole. Et quand tu voudras, au moment voulu, je serai la chose. Parce que déjà, je crois à la chose. Et qu'est-ce qui fait que je peux croire à la chose? J'ai les mêmes gènes de Dieu en moi. Qui peut accepter toute la parole de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas une dénomination pour croire dans une parole, une partie de la parole. Mais nous sommes dans le temps de l'entière manifestation, de la plénitude de la parole. Alors qu'à ce moment-là, je prends toute la totalité de la parole.
peu m'importe dans l'état où je me trouve, mais je dois croire toute la parole. Et c'est cette réaction, c'est cette attitude-là qui va me transformer, qui va amener vraiment ce que j'ai besoin pour transformer mon caractère, pour transformer ma vie ici, amener Christ en moi, amener cette révélation dans une telle dimension qui fait que le péché est au-dessus de moi maintenant. Je n'ai plus à lutter contre le péché. Je n'ai pas à essayer de faire attention que je pêche. Mais c'est cette vie en vous, c'est cette vie en moi qui fait me donner une dimension plus haute que j'ai dégoût du péché. Que je n'ai plus envie de faire parce que c'est quelque chose qui est hors de ma nature. Mais tant que j'essaye de ne plus pécher à ma manière, alors je pécherai toujours. Mais quand Dieu transforme l'intérieur, quand Dieu amène cet être surnaturel, le Saint-Esprit, à prendre possession de tout mon être, à ce moment-là, c'est une chose différente. Ce n'est pas un combat entre nous et le péché, mais c'est que Dieu nous a élevés jusqu'à ce que notre nature soit changée et nous ayons dégoût des choses que nous faisons avant. Les choses dans lesquelles nous succombons à la tentation, eh bien, ce sont des choses qui seront au-dessous de nous. Nous n'aurons plus à lutter contre ces tentations. Alléluia. Et Jésus a éprouvé cette parole. Il a montré vraiment que son Saint-Esprit dans ce tabernacle a vaincu toutes les tentations. Croyez-vous que Jésus a subi toutes les tentations? Il a été critiqué, il a été bafoué, il a été blâmé, on l'a traité de toutes sortes de noms. Est-ce qu'il a failli? Est-ce qu'une fois il a douté de lui? Est-ce qu'une fois il a remis en cause son appel? Est-ce qu'une fois il a renié qu'il était le Messie? Pas du tout. Vous voyez, il a montré que quand le Saint-Esprit vit dans un tabernacle et qu'il prend pleinement les commandes, peu importe ce que l'extérieur fait. C'est pour ça que, frère Branham, Jésus n'a jamais vécu dans ce monde. Il vivait dans son monde à lui. Vous voyez, son monde à lui, c'était l'Esprit, le Saint-Esprit. Je ne fais rien d'autre que ce que le Père me montre. Vous voyez, et il s'occupait seulement des affaires de son Père. Et les gènes de Dieu en nous fera que nous ressemblons à ce Jésus. Nous aurons les mêmes qualités que lui. Nous aurons les mêmes habitudes que lui. Alléluia. Qu'est-ce qui réjouit un père? Vous voyez, c'est quand il voit son fils grandir, eh bien, s'ils font les mêmes choses que lui, il est content. Vous voyez, si le frère Dyssen, là, tout ce que son garçon fait, eh bien, si ça le ressemble, c'est une fierté. Ah, ça vraiment, c'est de la famille. Ça vraiment, c'est comme son papa. Pourquoi? Il a les mêmes gènes en lui que comme son papa avait. Il les manifeste. Vous voyez, et à ce moment-là, le père est glorifié, montrant vraiment que sa vie est vraiment dans le fils. Et je crois, lorsque la parole est manifestée en nous, Dieu est glorifié. Dieu aime ça. Dieu aime voir vraiment les qualités de la parole en nous être manifestées, que nous croyons ce message, que nous vivons ce message. Ça, c'est glorifier le Seigneur. Alléluia. Dans démonologie, domaine physique, il dit ici, vous ne pouvez pas pécher. Oh, vous, peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur, mais je suis en Christ. Dieu ne le voit pas, parce que ces péchés font l'expiation, son sang fait l'expiation de mes péchés là-bas. Voyez, je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. La semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez, il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Si c'est un chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'a rien en lui au départ. C'est exact. Il n'y avait rien en lui pour commencer. Mais si c'est un chrétien, il va confesser cela. Parce qu'il montre vraiment qu'il ne peut pas pécher. Il dit ici même, planter un grain de blé dans la terre, ce sera toujours un grain de blé. Il pourrait y avoir tout plein de gratterons autour et tout le reste, mais ce sera un grain de blé tant qu'il existera. Pas vrai? Et si un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est pas à l'endroit et à l'envers, en dedans et en dehors, et là-bas dans le monde et puis ici. Non, monsieur, non, non, vous n'êtes pas un gratteron un jour et un grain de blé le lendemain. Dieu n'a pas ce genre de choses dans le champ. Oui, monsieur, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien depuis le moment là, jusqu'à ce que vous repartiez. Et à ce moment-là, vous êtes immortel avec Dieu. C'est exact.
si vous êtes dans l'épouse. Dans les esprits séducteurs, il dit donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas ces esprits séducteurs, un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une semence de Dieu. Et elle produira Dieu dans votre vie, d'être rempli de piété, sanctifié et saint. Dans les esprits séducteurs, toujours, il dit, on constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frères, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque, un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant « ceci n'est pas en ordre » ou « ceci n'est pas en ordre » et « cela n'est pas en ordre ». Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre les frères. Soyez respectueux et saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible et que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement et vous vivez correctement et que vous parlez correctement et que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez et le monde y croira. Dans Hébreux chapitre 6, en 1957, il dit, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. En effet, il ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Comment puis-je être appelé pécheur alors qu'il se tient là un sacrifice qui prend ma place? Comment puis-je mourir alors que la dette de la mort était payée pour moi? Comment puis-je mourir alors que j'ai la vie éternelle? Comment le pourrais-je? Vous ne le pouvez pas. Dans Hébreux, chapitre 6 et 7, il dit, nous sommes passés dimanche dernier juste un peu plus loin en arrière dans le chapitre, car il est impossible que quelqu'un qui a goûté une fois les dons célestes et autres choses tombe encore et soit renouvelé et amené à la repentance. Absolument, totalement impossible, car celui qui est né de Dieu ne pratique pas et ne peut pas pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. La semence de Dieu est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole. Le sacrifice était fait, tout est terminé. Toujours dans Hébreux chapitre 6, c'est-à-dire maintenant, si vous commettez une faute, Dieu vous fera payer pour cette faute. Mais si vous le faites, la faute, vous ne le faites pas volontairement. Chapitre 10, verset 47. Je crois, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, mais une fois que vous êtes nés, vous avez la vérité, pas la connaissance à la vérité, mais vous acceptez la vérité, et elle est devenue une réalité, et vous êtes un enfant de Dieu pour le temps et l'éternité. Dieu a juré qu'il le ferait. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il ne viendra jamais en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alors, avec pareil serment, Dieu voulant que nous la recevions. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher? Alors qu'il y a eu une offrande pour le péché qui est là pour lui. Dans la semence du serpent, comment est-ce que je peux être malade alors que je suis en parfaite santé? Comment est-ce que je peux être aveugle alors que je vois? Oh là là, comment est-ce que je peux être dans le bâtiment et en dehors du bâtiment en même temps? Comment est-ce que je peux être ivre et à jeun en même temps? Vous ne pouvez pas. Alors, quand vous êtes sauvé, vous êtes sous l'expiation et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit, heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché? Et n'impute pas le péché. Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. C'est fort ça. Ce n'est pas du lait écrémé, mais la Bible, mais c'est la Bible. Dieu ne comptera pas le péché au juste. Dieu, dans sa grâce, par la prédestination, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seulement, comme il est infini et qu'il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes choses pour les faire concourir à sa volonté.
Sinon, pourquoi est-ce qu'il a permis le péché pour commencer, alors qu'il était un sauveur? S'il n'y a jamais eu de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. L'attribut, ce qui était en lui, n'aurait jamais pu être manifesté. Alléluia. Donc celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Donc frères et sœurs, ça c'est vraiment terminé ce soir. Donc nous allons continuer demain. Donc ce soir, c'est le menu de l'entrée. Demain, nous mangeons la viande avec les os. Si nous avons des dents, on peut marcher aussi les os. Hein? Alléluia. Nous ne sommes plus des bébés. Il faut manger de la nourriture solide. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, je vous apprécie beaucoup. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai passé un bon moment avec vous ce soir. Êtes-vous heureux ce soir? Avez-vous retenu quelque chose? Donc, tu ne peux pas être perdu. Cessons vraiment l'esprit qui nous ballotte. Tantôt nous sommes sauvés, tantôt nous sommes perdus. Nous avons péché, nous confessons nos fautes. Nous venons à l'autel. Nous venons vraiment confesser ce que nous avons fait de mal. Ayez une vie de repentance. Ne dites pas seulement que Dieu a pardonné, mais jamais tu viens confesser. Ne dites pas seulement, eh bien, que je vis dans la condamnation parce que je pense que j'ai trop péché, Dieu ne peut plus me pardonner. Ça aussi, ce n'est pas bon. Mais rejetons le fardeau, rejetons le péché, relaissons toutes les choses qui nous accusent, venons à la parole. Amen. Le Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour me perdre. Si une fois tu m'as parlé, eh bien, ce soir tu me parles toujours. Amen. Tu es le même Dieu et tu vis toujours. Donc toutes choses sont possibles pour moi. Amen. Parce que je sais que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, mais c'est ta voix qui m'a appelé. Amen. Et s'il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur qui répond. Amen. Donc Seigneur, si j'ai soif de toi, c'est qu'il y a quelque part de l'eau pour me donner la soif. Alors Seigneur, je viens à l'autel, je confesse mes péchés, je confesse mes fautes. Il est fidèle et bon pour nous pardonner. Et même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Vous voyez, même si le diable vient te condamner, Dieu est plus grand que cela. Nous avons satisfait à ces exigences. Croyons la parole. Croyons que vraiment le Seigneur nous aime ce soir. Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'il nous a appelés par son amour? Croyez-vous que tout ce que Dieu est capable de faire par l'amour qu'il a pour nous, il le ferait ce soir? Et la meilleure chose que Dieu peut donner à un chrétien, c'est sa parole. Amen. C'est son amour. Oui. C'est de dire je t'aime. Et sa manière de nous dire je t'aime, c'est de nous donner la grâce par la parole. Amen. Pour te dire, eh bien, ce soir, je t'ai vu venir à l'église. Je connais tes péchés. Je connais tes fardeaux. Je connais tes faiblesses. Je connais et les difficultés que tu as. Mais ça n'empêche pas mon amour. Mon amour n'a jamais diminué pour toi. Et tu ne pourras rien faire pour que je te haïsse. Parce que j'ai mis ma vie en toi. Donc je ne peux pas te haïr. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Savez-vous pourquoi il ne pêche pas? Parce qu'à un moment donné, il va se réaliser qu'il ne peut pas vivre dans le péché. Vous voyez, Dieu nous laisse commettre des fautes. Dieu nous laisse quelquefois prendre la route vers le rivage. Mais à un moment donné, Dieu sait qu'au fond de nous, nous n'aimons pas ce monde. Nous n'aimons pas ce que le monde nous offre. Vous voyez, est-ce que Dieu empêche un chrétien de pécher? Qui peut croire cela? C'est sa vie en vous qui fait que vous n'aimez pas le péché. Vous voyez, sinon, vous êtes libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dieu n'a pas dit que vous avez le libre arbitre. Je place devant toi la vie et la mort. Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais alors pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas le péché? C'est pas par leur opinion. C'est pas parce qu'ils ont voulu faire des efforts pour ne pas pécher. Mais c'est parce que Christ a mis sa vie en eux. Christ a mis sa parole. C'est à un moment donné, eh bien, il se dit à l'intérieur de lui-même, j'en ai marre de vivre dans le péché. J'en ai assez que le péché domine sur ma vie. J'en ai assez qu'on me ricane comme un pécheur. Parce que je suis un fils de Dieu. Et je vais manifester ce que Dieu dit de moi. Dieu a dit que je suis plus que vainqueur. Alors je ne vais pas être plus que faible. Je vais montrer ma victoire. Dieu a dit que je suis guéri. Eh bien, vous pouvez eh bien, réjouir de votre maladie. Excusez-moi de ce mot. Nous pouvons nous contenter de maladie. Il y a des gens qui sont contents quand ils sont malades. Vous voyez? Parce qu'ils sont... Je ne sais pas. Mais à un moment donné, eh bien, vous devrez admettre à l'intérieur de vous, eh bien, je ne suis pas fait pour être malade. Et même si la maladie devait être là, je dois considérer qu'il n'est pas là. Parce qu'il est mort il y a 2000 ans déjà. Pour mes maladies, pour mes infirmités, pour mes soucis. Alors qui peut m'obliger ce soir à vivre avec un souci?
Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de rester avec un souci. Tu n'es pas obligé d'être malade ce soir. Personne ne t'oblige à être malade. Personne ne t'oblige à être pécheur. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas passé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu la nouvelle naissance, personne ne t'empêche de rester là-bas. Vous voyez, ce n'est pas une question d'homme à homme. C'est une question de Dieu dans l'homme. Et si le Saint-Esprit descend en nous, alors nous commencerons à faire les œuvres de Dieu. Nous commencerons à agir comme un vrai chrétien. Ce n'est pas que l'Église a dit « tu ne dois pas pécher ». L'Église a dit « on ne doit pas faire ça ». Nous ne combattons pas contre ces choses-là. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui nous élèvera sur ces choses-là. Dire « Seigneur, je suis conscient. Voyez, je ne peux plus faire ces choses-là. Voyez, auparavant, je fumais en cachette, ou je buvais en cachette, ou j'avais les regards adultères, ou j'avais des mauvaises pensées, ou j'avais... Non, Seigneur, je n'ai pas besoin que les gens révèlent mes péchés pour connaître que je suis un pécheur. Mais le Saint-Esprit en moi me donne le dégoût de cette vie. Je vais changer ma vie, Seigneur. Alors là, c'est une vraie nouvelle naissance à ce moment-là. Mais si quelqu'un est là, il t'oblige, frère, tu ne dois pas faire ça, frère. Oh, tu ne devrais mettre ta vie en ordre. Tu ne dois pas dire ça. Est-ce que c'est la naissance de l'Église ou c'est la naissance spirituelle que nous avons besoin? Nous avons besoin de venir à l'autel, de confesser nos péchés. Vous voyez, pourquoi les gens sont rigides aujourd'hui? Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt qu'il y a de se conformer à la vie de la semence parole. On se dit, mais tant qu'on peut cacher notre jeu, tant qu'on peut vivre les deux côtés à la fois, eh bien, les gens ne voient rien. Dieu voit, mais Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Parce que s'il y a la vie, sa vie est en toi. Sa vie sera manifestée. Et si sa vie n'est pas là, eh bien, l'enlèvement sera passé et nous mourrons dans le péché. Vous voyez, d'une chose ou de l'autre, nous devons choisir. Quelle est la voix qui parle en nous ce soir? Et je crois qu'un chrétien, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Tout-Puissant qui lui dit, mon enfant, ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas de vivre en pratiquant le péché, mais en vivant une vie de gloire, une vie de joie. Tu as été pardonné, tu as été justifié. Dieu te regarde ce soir comme tes péchés n'avaient jamais existé, comme tu n'as jamais rien fait de mal. Il te voit au travers du sang de Christ. Alors cessons de nous culpabiliser nous-mêmes. Lorsque nous disons, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri? Ces phrases-là ne devaient pas exister. Seigneur, tu m'as déjà guéri. Et ce que j'ai besoin de croire ce soir, c'est que la chose est là. Mais permets que ma foi, maintenant, passe au-dessus de l'obstacle, de la vue, de la maladie que je vois, mais que je vois ma guérison maintenant. Parce que la parole l'a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Père bien-aimé, pardonne-moi d'avoir été long ce soir, mais je crois que le Saint-Esprit appuie loin de l'élève d'un mortel, Seigneur, pour glorifier ta parole. L'intention de mon cœur ici, c'est de nous glorifier, Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes tous frères et sœurs, et nous nous réjouissons ce soir de cette merveilleuse parole. Nous sommes les semences spirituelles de Dieu. Nous ne sommes pas faits pour mourir, Seigneur. Tu n'as pas jamais prédestiné un chrétien à la mort, mais tu nous as prédestinés à la louange de ta gloire, à la vie éternelle. Seigneur, ce soir, je te prie, Seigneur, le Saint-Esprit a parlé, la parole a été dite, nous avons lu les citations, nous avons vu la vérité de la Bible. Seigneur, puisse ton grand Saint-Esprit maintenant amener chacun de nous à prendre conscience que nous ne sommes pas obligés de vivre dans le péché, que personne ne peut nous retenir là-bas, que nous avons vraiment la vie de Dieu en nous. Triomphera toujours du péché, triomphera de la maladie, triomphera des critiques, triomphera de la haine, nous triompherons de la jalousie, nous triompherons des moqueries, non pas à cause de nous, mais comme Paul a dit, Christ vit en moi. Oh, nous croyons que Christ vit dans l'Église. Et si Christ vit dans l'Église, les œuvres qu'il a fait, nous le ferons aussi, Seigneur. Oh Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi a pu t'amener à l'obéissance. Et la Bible nous dit, même jusqu'à l'obéissance à la croix, même lorsqu'on t'a crucifié, Seigneur, tu n'as jamais exprimé la haine. Tu n'as jamais exprimé le regret, tu n'as jamais exprimé le mépris, mais tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça a prouvé que tu étais le Dieu vivant qui était là. Oh, tu n'avais pas besoin de fabriquer quelque chose, mais tu n'as fait qu'exprimer ce qui était en toi. Et je crois que l'épouse, nous sommes dans la même dimension ce soir, parce que tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Oh, je te prie de bénir mes frères et sœurs. S'il y en a qui n'a pas passé par la nouvelle naissance, il y a des prédicateurs ici, Seigneur. Il y a un autel ici.
Il y a un bassin d'eau là-bas. Il y a vraiment de quoi ce soir. Nous venons à l'autel pour nous mettre à genoux. Nous confessons le péché, car l'heure est tard. Peut-être que c'est le dernier message ce soir que nous entendons. Peut-être que cette nuit même tu reprendras notre vie. Nous n'en savons rien, Seigneur. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est te glorifier, Seigneur. C'est te dire, Seigneur, je viens avec la force que tu m'as donnée. Seigneur, peu importe qui je suis, tel que je suis, je viens à toi. Oh, connais mon cœur, connais mon âme, connais ma vie, connais mes pensées. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je n'ai plus rien à cacher, Seigneur. Je n'ai plus rien à retenir. Mais je suis venu pour te louer. Je suis venu pour te glorifier. Change mon cœur, Seigneur. Change ma vie. Mets ta parole en moi. Je veux vraiment vivre une vie glorieuse. Je ne veux pas vivre une vie de mort, Seigneur. Je veux la vie de la vie éternelle. La vie qui se trouvait en Jésus. La vie qui se trouvait dans les apôtres. La vie qui se trouvait dans William Branham. Et la vie qui se trouve dans l'épouse. Oh Dieu, béni sois-tu ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Nous te louons. Nous te bénissons. Reçois la gloire. Reçois l'adoration, Seigneur. Que plus rien soit caché dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse nous nettoyer. Nous mettre à part pour ton service, Seigneur. Bénis l'Église ici. Bénis son pasteur. Bénis les offices, Seigneur. Bénis la réunion de demain. Et vraiment que nous puissions recevoir la visitation de l'ange, le Saint-Esprit puisse passer dans nos cœurs. Et nous puissions être comme ces gens d'Emmaüs. Puissions dire notre cœur ne brûle-t-il pas dedans de nous, tandis que nous parlons en chemin. Seigneur, nous croyons de ta présence. Nous croyons dans la parole. Et nous croyons que nous ne sommes pas les fils de monsieur ou de madame Intel, mais que nous sommes les fils de Dieu que tu as révélé dans ce message, que tu as appelé par ta parole. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous as donné ta vie afin que nous vivions par ta vie. Ce soir, notre désir, c'était de ressembler, Seigneur. Oh, nous désirons tellement te ressembler, Seigneur. Béni sois-tu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Restons dans l'adoration. Nous passons la chair au frère Dyssen. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Même si c'est tard, mais ça vaut la peine. Amen. C'est la convention de Pâques, ce sont les aigles, nous nous régaler autour de la parole, c'est bien. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vous remercie, frère Alex. Et laissez-moi debout ensemble dans la présence de Dieu. Ce sera bien quand même avant de partir, d'adorer le Seigneur. Amen. Des chants. Quand le frère Alex me prêchait comme ça, ça rappelle moi, quand je suis encore au collège, de la classe de la biologie, une fois par semaine. Et là, nous prenons trois récipients, elle nous met un grain d'haricot là-dedans, sans de l'eau, seulement la terre, sans de l'eau. Elle nous met un grain d'haricot, met de l'eau, elle l'appareil, la grain d'haricot, de l'eau. Et là, nous poussons l'île, nous allons, après une semaine, qu'il faut venir là. Elle la reste sec, elle nous prend une mettre dans le noir, et elle la met dans la lumière normale. Et une semaine après, nous retournons. C'est les qui vivent pour être qui n'arrivaient. Et quand il sait, le résultat est simple, elle n'arrive pas à nous pousser parce qu'il venait de l'eau. Elle là sans lumière, il sortit du blême, du blanc, du frisé, du sorti parce qu'il n'y avait pas de lumière. Il poussait à cause de l'eau. Mais l'autre là, il sortit normal. Et avec la bonne atmosphère, il poussait. Vous pensez, vous allez me prêcher. Je me rappelle, mon papa, longtemps quand il travaillait dans Bazar, il tient la graisse du monde. Après, il dit, vous vendez. Et là, une personne vient acheter la graine sur moi. Il dit, monsieur, là, après, il fait, il prend une 10 la graine, il a une boîte en bas de la table, il a la terre là-dedans. Il plante ça là-dedans. Après une semaine, monsieur, là, il dit, vous connaissez, monsieur, vous ne l'avez pas poussé. Il dit, pas comment, cool, si bonhomme, qu'est-ce qu'il a. Tout est poussé. Il dit, même la graine qui va nous vendre là-haut, une plantée, il est poussé. Vous savez, il y a de la vie là-dedans, il a besoin de sortir. C'est comme que le prophète prêche le lever du soleil. Il prend une semence, mette-le bas la terre. Prends un béton, mette-le là. Mais autant que ça va besoin de pousser, il vous traverse béton, il va se faufiler et sortir. Parce qu'il y a la vie dedans. Cette vie va se manifester. C'est comme que Christ, c'est quand même avec assurance, parce que Dieu était dans la chair, Elohim, il pouvait dire détruisez ce temple. Mais le juif, sans révélation, il entend dire détruisez le temple. C'était ce temple, parce que Dieu savait qu'il y avait une semence là-dedans. Ça va sortir même après 3 jours dans le tombeau. Amen.
Le soir, c'est la Pâque, c'est la résurrection. Amen. C'est notre vie, ça. C'est bon de se réjouir. Amen. Ce petit cœur change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Certainement, Dieu nous a parlé ce soir. Dieu nous connaît qui la vie veut manifester dans nous. Quel genre de vie se manifeste chaque jour dans nos vies, à la maison, au travail. Oh. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. C'est lui le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Moi, façon. Nous a parlé ce soir. Il va quitter cette salle. On va le faire entrer. Dieu donne l'occasion ce soir. C'est de la vie quelconque, quelque part. Il y a une faiblesse quelque part que je suis capable. Je vous ai l'aide de Dieu, de sa puissance, son esprit. Dieu nous a parlé ce soir. C'est pas notre combat. C'est pas notre bataille. C'est lui qui combat pour nous. Donc, enfin, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer d'arrêter un mal par nous-mêmes. Ce soir, prends l'y mettre dans ce domaine. Laisse la semence qui est dans nous, la vie de Dieu, manifester. Qui sont ceux qui, sur la parole de Dieu, vous a touché? Quelque part, vous avez besoin de toucher de sa main. Levez vos mains en prière. Certainement, il a parlé à un cœur ce soir. J'ai ma main levée. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Comme l'a dit le prophète, sous ses mains, il y a un cœur. Il y a un désir ardent de vie pour toi ce soir. Ces bien-aimés veulent voir cette vie de Dieu se manifester dans leur vie, dans leur langage, leur témoignage. Ce soir, étends ta main, Seigneur. Étends ta main et touche ces bien-aimés. Tu connais la nature de leurs besoins. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. C'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Merci Seigneur. Alléluia. Certainement tu nous as parlé. Oh, la vie de Dieu, la vie du Seigneur. Quelle semence glorieuse. Christ dans nos cœurs. La vie de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci. Un petit cœur avant de partir. Oh, merci Jésus. Tu es merveilleux. Après quand le frère Choc sera bon, le frère sera approprié. Je vais demander au pasteur de prier pour nous renvoyer. Tu es merveilleux. Alléluia. N'oubliez pas demain à 4h. Soyez à l'heure. Soyez au bonheur. Préparez-vous. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face en ton regard. Je
Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce privilège de nos noms, pour venir dans ta présence, Père, pour recevoir ta parole. Seigneur, merci pour tout ce qui vient d'être fait, pour que la réunion cet après-midi, Père. L'invitation du pasteur Alex et de tous les frères et sœurs qui sont là et tous les offices qui finissent dans notre position et aussi tous les chrétiens qui finissent présents, Seigneur. Seigneur, tu nous as déjà bénis parce que tu nous invites nous là. Demande-toi, continue, bénis-nous dans les restes des réunions, Père. Seigneur, nos plus grands remerciements ce soir de dire un chrétien qui n'est pas capable de pécher, Père. Seigneur, combien nous reconnaissons que un fin péché parce qu'il t'y croit 99,9% de la parole. Et 1% de l'incrédulité, tu fais l'éteindre péché, Seigneur. Mais tu dis à cette épouse, qui est prédestinée pour croire dans toute la parole de Dieu. Seigneur, quand nous réalisons, nous élève-nous la voix avec crainte et tremblement, si de joie devant Dieu puissant comme toi, un Dieu parfait, saint, Seigneur. Seigneur, nous tous qui l'a, nous sommes des démons. Le prophète vient dire que dans toutes les églises, nous sommes des Satan. Seigneur, cela fait un choc, vraiment, chaque personne qui vient entendre cela. Et personne ne peut gagner une naissance spirituelle en dehors de ce septième ange, ce message, Père. Seigneur, tout le monde dit, Dieu, je suis content, bon Dieu, Père. Banin, nous disons, je suis content, bon Dieu. Tout le monde, les autres religions, disent, je suis content, Dieu. Tout le monde, bien-aimé, dans les dénominations, disent, je suis content, Dieu. Mais de l'amour, l'électif. Tu dis, tu fin content, Jacob. Tu fin haïe. Vraiment, Seigneur Dieu, mes amis. Sauf cela, nous croyons qu'il y a le gène de Dieu en nous. C'est pour cela que nous croyons que tout ce qui peut traverser dans nous la vie, ce n'est pas nos efforts. Au contraire, nos efforts peuvent contraindre nous la marche. Mais si nous laissons-toi simplement continuer à faire, c'est de commencer de pouvoir chevelir, Seigneur. Seigneur, nous remercie-toi pour la parole. C'est la nourriture des aigles. Seigneur, nous connaissons un message. Nous sommes capables d'apprécier dans ma dénomination parce que c'est là pour cause. Faut disession, Père. Mais pour nous disions ta parole, parce que nous constituons même une lègue. Seigneur, nous prions toi pour nous faire Nanda, qui est vraiment peu prêcher, Jambi là-bas, Père, spécialement sur la santé physique, Père. Contre vraiment tout ce bonne bactérie, bonne microbe qui est dans là-bas. Demande-toi à te garder en bonne santé et te aider aussi délivrer ce qui te peut bien recevoir. Et nous demandons à continuer, béni soit l'ex Seigneur, garde-lui dans sa bonne santé physique, parce que c'est le canal qui te besoin, bénis ton peuple. Seigneur, nous remercie-toi pour ce rassemblement ce soir. Et nous demandons à continuer, béni cette église, le pasteur, tout ce gouvernement qui est avec lui, et tous les laïcs qui supportent cette œuvre ici, Père. Oh Dieu, nous demandons-toi, béni aussi tout le monde chrétien, et merci Seigneur pour tous ces déplacements. Ramène-le tout sain et sauf à la maison et fais-le tout être présent demain. Et Seigneur, brise tout bonne barrière, tout bon empêchement pour que les chrétiens puissent venir dans ta présence demain, Seigneur. Dans la simplicité, avec la foi comme un grain de sénévé, nous demandons cela, Père. Amen. 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 Ça fait choc. Alléluia. Voilà, Shalom. Rendons grâce au Seigneur avant de partir. Fallait au bas, il y a quelque chose de vous rafraîchir. Il y a des brochures, il y a des feuillets, tout ça. Prenez, n'oubliez pas demain à 4h.
revenez pour un autre repas encore plus riche. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oies, je chante toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Je bénisse. C'est un peu tard. Merci quand même de patience. Dieu vous bénisse. Demain à 4 heures. Allez au bas, vous saluez et...